Bonsoir tout le monde. Je me permets de commencer 3 secondes avant le début. C'était juste parce que c'était la fin de la musique et ça tombait super bien en fait. Bonsoir Daros. Bonsoir, ça va? Écoute, très bien. C'est le week-end, donc ça peut que aller, je veux dire. Oui, n'est-ce pas? Oui, quand ça approche, ça fait toujours du bien. Enfin, je dis ça alors que je vais aller cravacher à mes stories. Non, ça va, c'est plus... Le cravachage, c'était ce soir, apporter des consoles, des écrans, monter des setups... Mais voilà, c'est fait. Bah écoute, ouais, ça va, tranquille. La semaine de stream se termine et puis on va repartir la semaine prochaine. Enfin, oui, semaine prochaine. Tu fais quelque chose ce week-end, du coup? Je pense, oui. Je vais peut-être faire un peu de Mortal Kombat et du Final Fantasy XIV parce que je vais vraiment m'y mettre. J'ai vu un peu le stream de Bola sur les prochaines extensions qu'ils vont rajouter. Ouais. Ça m'a l'air vraiment pas mal, donc je vais vraiment m'y mettre et puis streamer ça de temps en temps. D'accord, voilà. Impeccable. Bah écoute, voilà. Mais Mortal, il est bien. Hein. Moi, c'est juste que j'ai un vrai problème à m'en sortir avec... comment dire, avec les combos. Les jeux NetherRealm, j'arrive pas à faire les manips. C'est vraiment, c'est soit tu fais l'input et ça passe, soit ton mec, il est et j'ai ce problème, quoi. Non, mais c'est vrai que c'est pas évident. Mais il faut que tu te rapproches de Hajin, notre collègue qui fait le format Kumo Musha le mercredi. Il a fait du Mortal Kombat ce mercredi, d'ailleurs. Donc je pense qu'il... Bah, ouais. Il est régulièrement dessus de ce qu'il dit. On pourrait se faire un truc, ouais. Bah oui, histoire de fédérer les gens sur Renegades. C'est... Oui. C'est important. Toujours, toujours. Bon, on est parti du coup pour 2 petites heures d'actu jeux vidéo. Alors l'actu a été super chargée et du coup l'invité qui aurait dû être là malheureusement nous a fait... Alors franchement, c'est le président de Lorraine eSport, Marc Adet, si tu nous regardes, espèce d'enfoiré, je me permets de te traiter d'enfoiré, ça fait quand même 2 fois qu'il annule. Bon, à chaque fois c'est pour des bonnes raisons, c'est parce qu'il y a des événements jeux vidéo dont il est obligé d'assister et de gérer l'administratif, oui. Comme c'est le président de la SOS, mais à chaque fois ça fait 2 vendredis qu'il tombe à l'eau à cause de ça, quoi. Donc un jour... Il veut pas venir en fait. Mais non, je crois qu'il nous aime pas, tout simplement. Oui, c'est ça. Non, un jour on vous parlera de Lorraine eSport, promis, mais ce sera pas aujourd'hui malheureusement. Et on a d'autres invités bien sûr qui sont dans les starting blocks. Le problème est toujours le même. Je me vois pas 2 jours avant l'émission, quand il y en a un qui a annulé, aller sonner chez les autres et dire et au fait vous voulez faire la roue de secours. Tu vois, c'est... Ouais non, c'est pas top. Après c'est vraiment top. Quelqu'un que je connais dans le privé, tu vois, plus un pote qu'un invité, ça peut le faire. Voilà, là je me permets. Mais c'est vrai que on a quand même des personnes qui sont un petit peu... je vais pas dire des influenceurs, mais des personnalités quand même du jeu vidéo en France. Et voilà, c'est par respect pour le fait qu'il libère du temps. Je veux faire ça bien et caler ça vraiment quand on a prévu de le caler. Mais voilà, il y aura effectivement Douglas Alves qui est prévu. On a Sébastien Genevaux qui est professeur de game design et de ludologie à Thionville. Il est en train de développer un jeu tout seul sur 1 an. Lui tout seul, il fait les graphismes, il fait le code, il fait le son. Ouais, assez incroyable. Et il va ouvrir une école de jeux vidéo sur Thionville, dont il va être apparemment vraiment le responsable intégral. Un petit peu à la manière de Helios Gaming. On a le patron de Helios Gaming, l'école de jeux vidéo, je risque de taffer peut-être à la rentrée prochaine, qui va aussi venir nous parler de son travail. On a une équipe de handisport, c'est-à-dire du jeu vidéo compétitif, avec du coup différents handicaps qui permettent du coup malgré tout de faire de la compétition. Donc ça c'est super intéressant aussi. On a d'autres gros noms du jeu vidéo, mais il y en a certains on n'a pas encore le droit de citer le nom et le fait qu'ils soient sur le plateau. Mais voilà, clin d'œil, cet été et les mois à venir risquent d'être sympas niveau personnes qu'on va recevoir. Ouais, ça va être cool. Effectivement. Bon bah écoute, on va pas perdre de temps, on attaque les news. Allez, c'est parti. Alors, tu vas nous... je te laisse commencer, parce que c'est un truc qui m'a fait mourir de rire. Ah. Tu vas nous parler d'une console, une nouvelle console qui a été annoncée. Alors, une console indépendante. En plus, je précise, ça commence bien. Parce que, ouais, ça commence bien. Donc, c'est le développeur Panic. Donc, c'est celui qui développe les programmes donc, sur Apple, ouais. les machines Apple, et qui avait également édité Firewatch. D'accord. Et donc, ils ont créé une console... Alors, elle est en noir et blanc. La résolution est de 400 par 240. Excuse-moi. Oui, excuse-moi. Non, mais tu... Et attends, t'as pas fini parce que en plus, il y a une manivelle. C'est la manivelle qui tue tout, quoi. Ah oui, là, quand tu dis manivelle, les gens disent hein. Pourquoi? Mais pourquoi? Alors,
Attendez, c'est pas pour la recharger. Parce que tout de suite, les gens disent « Ah ouais, mais attends, c'est pour recharger la batterie, pour économiser... » Non, du tout. Non. Non, parce qu'il faudra sûrement des piles ou des... Non, c'est pas ça. Moi, je pensais que c'était ça. Et là, j'aurais été prêt à sortir la CB juste pour le délire de recharger ma console oui, avec que... une manivelle. Mais parce que, attendez, j'ai pas encore dit le prix. Donc, il y a une manivelle sur le côté droit et qui va donc servir en termes de gameplay. Où, par exemple, j'ai vu un petit personnage avec une clé dans le dos. Et ben, en fait, tu, selon si tu avances la manivelle ou que tu recules, et ben, ça fait bouger le perso. D'accord. Voilà, en fonction des, et puis selon la vitesse. Donc, ils vont insérer ça dans le gameplay. Et le prix, parce que là, c'est tant qu'à faire. Ah oui, elle coûte quand même $150. Voilà. Voilà. Donc, bah, si ça vous intéresse, allez-y. Parce que je pense que les quantités seront très limitées. Oui, c'est ça en plus, c'est quantité limitée apparemment. Ouais, donc, il y aura vraiment. Ils veulent jouer sur la rareté du bousin pour faire sortir la CB aux gens, mais. Et donc, ils ont prévu, j'ai vu, alors, donc le petit personnage c'est Time Travel Adventure, et puis un jeu de golf aussi, j'ai vu. Ok. Donc, voilà, peut-être on fera bouger la balle avec la manivelle. Écoute, en tout cas, la console elle peut être dérisoire, le site est bien fait. Tu peux bouger la console en 3D bien. Avec. C'est quoi c'est du Flash? Ah non, même pas, c'est carrément du HTML5. Donc. Le site est vraiment très cool. C'est produit en Malaisie, apparemment. C'est Alexandre Serrel qui avait partagé ça sur sa page. Donc j'ai découvert ça. En fait, l'idée du gameplay avec la manivelle, je trouve ça plutôt intéressant parce que ça peut vraiment apporter des trucs sur certains jeux ou des fonctionnalités originaux ou quoi que ce soit. Assez fun comme gimmick, je dis pas le contraire. Hein. Mais c'est ça, mais c'est le prix quoi. $150 pour l'originalité, ok. Mais après, en même temps, moi j'ai constaté un truc. Quand tu fais du hardware ou de la hi-fi, tu vois, il y a des prix, comme on appelle des prix psychologiques, tu sais, où si tu descends en dessous d'un certain tarif, les gens, simplement, dans leur subconscient, vont penser que c'est du matos de merde, tu vois. Et ça. La hi-fi vidéo, je sais plus, c'était Apple qui avait expliqué, Steve Jobs, de son vivant encore, qui avait expliqué que ils auraient pu vendre les iPads, je crois, iPad ou iPod, je sais plus. Bref, un des deux, beaucoup moins cher. Mais que du coup, le prix psychologique minimal aurait été atteint et ça aurait fait des pertes au niveau des ventes parce que les gens auraient estimé que c'était du matos de mauvaise qualité. Et alors, est-ce qu'ils sont peut-être sur ce créneau-là, vouloir créer. Tu vois, et puis en plus, la rareté, le fait que ce soit en édition limitée aussi, ça peut jouer un peu. C'est possible, mais je sais pas. Je trouve quand même que pour une petite console indépendante comme ça, c'est quand même très cher. Je suis d'accord avec toi. Si tu veux. Tu vois, franchement, quand j'ai vu le concept de la manivelle, je me suis dit, merde, tu vois, j'étais presque tenté, tu vois, d'essayer. Moi, ça m'a fait sourire et je me suis dit, si c'est vraiment pour la recharger, ils sont couillus d'oser ça, en toute sincérité. Ça aurait pu le faire. Voilà. Franchement, le coût du rechargement, ça aurait pu le faire. Mais $150, non. Ouais. Quoi. Et je veux dire, c'est pas question de dire, est-ce que c'est fiable, est-ce que c'est du bon matos, est-ce que c'est... Non, là, c'est trop cher. Et comme je dis, l'originalité, on dit toujours l'originalité à un prix. Mais là, je pense que là, ils l'ont vraiment dépassé. C'est vrai qu'à un moment donné, il y a des limites, c'est clair que... Il y a des limites, quoi. Le concept peut vraiment être sympa, mais je pense que le prix va... Je pense que $99, ça aurait dû être le maximum. Pour un truc comme ça, exactement. Deux boutons noirs et blancs. Parce que le problème, c'est qu'il y a des gens qui vont automatiquement faire la comparaison avec les Raspberry Pi, les Arduino et ces petites consoles do-it-yourself. Tu sais que tu peux monter toi-même avec un écran LCD que t'achètes à 15€. Ouais. Le Rasp que t'achètes à 10€. Une manette Bluetooth que t'achètes à 10€. Et le cumul des pièces, bah, ça fait grand maximum 60€. Et c'est ça, quoi. Et tu peux faire plus, du coup, qu'avec celle-là. C'est ça, le truc, donc... Et puis, c'est pas les jeux qu'ils ont développés dessus qui... Oui. Quand tu vois les jeux, c'est ouais, simple, c'est vraiment... Bah, ça fait presque penser à des Game & Watch. C'est ça, ouais. C'est du niveau de... C'est pré-Game Boy, à la limite, quoi. Enfin, ou Game Boy, on va dire, tout au plus. Oh, pré-Game Boy. Moi, de ce que j'ai vu, ça fait vraiment pré-Game Boy. Hein. Ouais. Au niveau de gameplay, c'est... Vincent a raison, il dit ça ressemble à une Game Boy, mais c'est... On va saluer d'ailleurs les gens dans le public. Alors Denis, hey Denis, collègue de la radio de Play Hit and Mix, qui anime le jeudi son émission. Salut. Ça va Denis, Vincent, Daros, ça a un point ressemblant au gros méchant Davros de Doctor Who, ou c'est moi qui hallucine. Je sais pas d'où vient ton pseudo, tiens, tu pourrais peut-être nous raconter. Je sais, non, en toute sincérité, je sais pas d'où vient Daros.
On se côtoie depuis genre 2 ans, mais je ne sais pas d'où vient Daros. Et bah, il l'a trouvé. J'ai c'est juste ça enlevé le V. D'accord. J'ai juste enlevé le V parce que je voulais pas que ça, voilà, que ça se rapproche trop, mais c'est ça. Eh ben, GG, Vincent, tu viens de trouver, tu viens de démasquer Daros. Franchement, je voulais garder ça secret dans mes mains. Voilà. On a des viewers beaucoup trop pertinents. T'as vu ça? Leur cerveau, impressionnant. Ça fonctionne très vite. Et John qui devient... Ah, oh, c'est beau de voir un maqueux devenir PC Master Race. Moi, ça m'émeut. Ça m'émeut. Il est en train de télécharger Rage 2, du coup, sur PC. Ah bah oui, je lui ai donné envie, avec mon stream hier, d'une fluidité absolue avec le gameplay souris-clavier, tu sais. Lui, il est sur Xbox One X, donc c'est très correct comme console, hein, mais t'es au gamepad, malheureusement. C'est... Oui, sur PC, il tourne quand même bien. Quand tu as une image, bien sûr. C'est quand tu as une image, bien entendu. N'est-ce pas, c'est voilà, tu parles pour le streaming, hein, uniquement, parce que oui, les gens vont avoir peur et pensent que le jeu marche pas, c'est en local. Non, c'est juste à streamer, c'est un jeu Vulkan, donc c'est... compliqué à streamer, voilà. Ouais, c'est vrai. Bonsoir Magmarie, Biban, comment vas-tu? Bonsoir. Bonsoir le loup aussi, hein, je t'ai pas salué. Et... bien, c'est tout. En même temps, on va te faire de la pub, le loup, hein, donc manquerait plus qu'on te dise encore bonjour. Hein. Ouais, c'est vrai. On peut pas faire les deux. C'est soit t'as de la pub, soit on te dit bonjour. Soit tu sors le chéquier. Je plaisante. Je plaisante. Ok, bon bah voilà, Playdate. Est-ce qu'on a une date de sortie pour cette chose? Attends, je vérifie. Je crois pas. Non, je vois pas. 2020. Voilà, prévu pour 2020. Donc, il n'y a pas de date précise. On verra bien. Alors, Magmarie qui nous dit un truc un peu glucose. Je te conseille d'aller sur YouTube. Alors, on est sur YouTube. Et mets la musique que t'aimes bien. Alors, j'ai de la musique en fond, que j'aime bien. C'est Final Fantasy VI, un remix. Mais, à la fin, je pense que tu voulais dire mais... ah non, peut-être mais. Mais à la fin... pense à brancher ton casque, sinon ça marche pas. Et mon casque est branché. Donc de tes trois réflexions, je... I don't understand. Je ne sais pas. C'est peut-être un bot. Maintenant, quand les gens me parlent et me disent un truc que je comprends pas dans ma tête, la première chose qui vient, c'est... ça doit être un bot. Magmarie, je... I don't know. Je ne sais pas ce que tu veux dire par ton message. La rose peut témoigner pour Rage 2. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est tout bête. Hein. Faut faire une capture de bureau intégrale. Non, mais c'est la seule solution. Non mais j'ai déjà écouté la musique en 8D, hein. C'est du grand n'importe quoi, hein. C'est une bidouille marketing en fait, il n'y a pas de 8ème dimension, c'est déjà bien qu'il y en ait 3, on peut dire éventuellement que le temps c'est la 4ème dimension, éventuellement si on veut jouer avec les mots, mais la zik en 8D ça n'existe pas. Et je vous renvoie d'ailleurs à une vidéo d'un confrère de Voxmaker, enfin Voxmaker n'existe plus, c'est un collectif qui s'appelle Shin, attendez, Voxmaker, Chine. Ah zut, attendez, faut que je retrouve le nom parce qu'en plus il est très bon. Voxmaker. J'ai marqué musique. C'est le mec avec des cheveux ultra longs. On dirait une fille, mais c'est un monsieur. Et donc il a fait une vidéo pour expliquer que la 8D c'est de la connerie. Alors attends, si je tape peut-être 8D. Ah bah voilà, mieux que la 8D, la musique en 16D. Donc ça a été fait bien sûr pour se foutre de la gueule des gens, hein, cette vidéo. Voilà, voilà. Starry Sky, voilà, c'est le groupe du monsieur. Donc c'était des anciens de Voxmaker. Et donc je vous mets le lien, je vous encourage à aller regarder cette vidéo. Faut que je vous le mette aussi sur Facebook, attendez. Il y a Vincent qui nous dit, avec 150€ de matos, je fais un Dalek du Docteur Who. Oui, je pense que ça sera mieux que la Playdate, à mon avis. Oui, ça te servira plus, je pense. Avec 150€, tu peux faire plein de choses. Hein. Bah, bien sûr. Probablement plus utile que d'acheter cette console. Mais bon, après, c'est votre argent. Hein. Ouais, acheter juste une manivelle, en fait. Ça, vous en faites ce que vous voulez, après. Voilà, ça, c'est la musique en 8D. Et donc, il a fait une réponse aussi à cette vidéo, parce que ça, c'était la blague. Hey, salut tout le monde. Et voilà, derrière, il y a une vidéo où il explique qu'est-ce que la 8D. Et donc, le monsieur est ingénieur son et multi-instrumentiste. Oui, je pense que c'est comme ça qu'on dit. Oui. Il joue tout, il joue de la basse, il joue de la batterie, il joue de la guitare, il joue du synthé. Il chante, il mixe, et du coup, ils font des concerts. Hein. Non, après, il faut aimer la musique, hein, c'est un petit peu genre J-pop. C'est de la F-pop, en fait, de la French-pop. Skywolf, il nous dit, d'ailleurs, Job, tu as vu la vidéo des anciens membres de Voxmaker. Oui. Tu veux dire quand ils ont arrêté, en fait, de faire Voxmaker. Ah, ils en ont fait... Mais je crois qu'ils en ont fait... Là, la dernière que j'ai vue, où ils parlent justement de Thomas, celui qui était avec eux et qui les a tous arnaqués. Ah ouais ? Magistralement. Ah oui, non, mais la vidéo, elle est... Ah, c'est... non, j'ai pas vu. Tu sais quoi ? En fait, je suis ce mec, Thomas Sirix. C'est jetons-leur des tomates, son format.
Ah non, mais c'est... Oui, bah voilà. Bah en fait, t'apprends plein de trucs. Tu Et sais quoi? c'était... Moi, je pensais que c'était l'inverse. Moi, je pensais que... Parce que la façon Bah dont moi lui a aussi. présenté la rupture du collectif, c'était en gros, moi, je suis le mec sérieux, le fondateur, celui-là qui gérait les finances, et comme chacun C'est voulait faire ça. son format dans son coin, on a décidé de se séparer. Et du coup, moi, Mais j'avais pas du plus tout. confiance en Thomas que dans les... Enfin, j'adore Ermite Moderne et les gars de Starry Sky, tout ça, mais... Ah Mais oui, ils ont ouais! fait une vidéo où ils sont quatre, je Et tu sais crois. quoi, tu vas Et reprendre la chronique à Bola, hein? On est en train de parler de oui, drama sur les réseaux sociaux, on y est, c'est la chronique de Bola. drama. J'ai pas groin-groin, Il donc te manque un sanglier, ouais, c'est un problème. c'est ça, c'est le problème. Mais oui, je l'ai vu et c'est Ah, assez j'irai fou voir quoi. ça, Ce waouh! que t'apprends dessus, c'est assez fou. Le Vox Menteur, là, il est gigantesque. Il y a même un serveur Discord qui s'appelle Riptoma. Ouais, Waouh! par contre, ça a fait beaucoup, beaucoup de bruit. Ouais. La vidéo, elle a Bah, le vraiment. collectif était adulé, bon, majoritairement des jeunes, hein, mais enfin, on s'en fout, c'est pas la question. C'était populaire, Voxmaker, quoi. Et Mais même moi, j'ai pas compris pourquoi ils ont arrêté, parce que, en toute sincérité, Renegades aurait le nombre d'abonnés qu'ils avaient sur YouTube. Tu casses pas un truc qui fonctionne comme ça, tu vois ce que je veux dire? bah en fait quand tu vois la vidéo tu comprends que le mec il était assez narcissique tu vois sur centré sur vraiment sur lui C'est marrant parce que c'est pas lui qui faisait le plus de contenu et qui fonctionnait le et mieux. pas du tout et qu'en fait il avait vraiment un comportement bah pas terrible quoi c'est genre il proposait une émission alors je sais plus à qui il l'avait proposé mais et donc il leur dit bah voilà vous faites comme ça et tout eux prennent le truc et disent ok on le fait. Par contre, on va peut-être modifier deux, trois trucs parce qu'effectivement, tu vois, il y avait des Oui, choses à ben, améliorer, tu comme adaptes, hein, tout. c'est pas un problème ça. Et en fait, il a dit, hop, non, terminé, on fait pas d'émission. S'il y a Waouh! un truc de modifié, on fait pas d'émission. Et il y a plein de choses comme ça que tu apprends. Genre l'ermite moderne qu'il avait rejoint à une avant-première. Et bah, c'est l'ermite moderne, quoi. Tu vois, il a vraiment son, c'est son, il est comme ça, c'est son look et tout. Et il regarde, il fait, ah, quand même, t'aurais pu être plus présentable à une avant-première, quoi. Bon, après, en fait, Thomas, moi, tu sais comment je le considère? C'est l'entrepreneur, hein. C'est le Mais mec c'est ça. qui Bah fonctionne quand pas tu vois la forcément la vidéo, oui. passion, qui fonctionne à très stratégiquement sur... Mais en même temps, il en faut, hein. Si t'as pas d'entrepreneur, t'as plein de projets qui sont bourrés de passion, mais qui se cassent la Ah mais gueule bien parce que sûr. la gestion, elle est mauvaise, hein, Bien donc... sûr. Mais il y a quand même des trucs que tu vois, style, enfin, ils coupent le contrat à telle date, justement pour qu'après eux puissent pas avoir d'aide, tu vois, derrière financière. D'accord. Bon, ils coupent pile à cette date-là, Ouais, c'était juste au très moment d'arrêt. stratégique, quoi. Waouh. Donc ouais, c'est quand même assez spécial. Ouais, effectivement. Parce que Ermite Moderne, sans déconner, son accoutrement et sa dégaine, c'est ce qui fait qu'on le reconnaît et qu'il fonctionne, hein. Ah bah Le mec bien qui sûr. s'habillerait maintenant en costard, ça ne marcherait plus, tu vois, c'est... Mais même Michael G, dans la vidéo, il te dit qu'il a posté des vidéos. Et comme il y avait eu des pouces gris, parce qu'il avait, enfin rouges, parce qu'ils n'étaient pas en accord avec ce que lui avait dit dans la critique, bah en fait, il voulait carrément supprimer les vidéos. Ah Dire, allez, ça ouais, dégage. d'accord. Donc non. Enfin, au bout d'un Eh, moment, s'il non, était tu si peux bon en pas. marketing, il devrait savoir que bad buzz, is still buzz, hein, comme on dit. Exactement. Exactement. Waouh. Donc voilà. Désolé Bola, je te passe Non, le mais en tout micro. cas, merci de m'en parler, parce que tu vois, j'étais complètement passé à côté, d'accord, ok. Bon, bah, une petite chronique drama. Ouais, voilà, qui s'est glissé au milieu des Thomas news. Sirik, c'est un bip, ok. Et du coup, Sky ne marque carrément... Il y a un serveur Discord qui s'appelle Rip Thomas, il y a un hashtag Vox Menteur... Et apparemment, il y a une campagne pour se désabonner de la chaîne de Thomas Sirix. Ben, j'étais abonné avec notif activé parce que j'aimais bien son format Jetons l'heure des tomates, tu vois. C'était toujours Les sur des tomates, sujets ouais. plutôt intelligents. Les M&M's qui sont dégueulasses pour la santé, franchement, c'est bien de le dire aux jeunes. Bien sûr. L'artiste de rue qui fait Michael Jackson à Lyon, qui s'est fait bâcher par les flics, c'était bien d'en parler. Tu vois, je trouvais que le mec était noble, quoi. Ah ouais, d'accord, ok, bon. De toute façon, hey, en toute sincérité, moi je vais pas maintenant laver mes choux gras, mais j'étais dans plein de structures, de projets et de plans. Sur 10, il y en avait 8 qui étaient foireux parce qu'il y avait un gestionnaire ou un fondateur ou un créateur ou un responsable qui était plein de bonne volonté, mais qui faisait les choses très mal. Et c'est souvent ça, hein, c'est la façon dont une personne peut gérer la boutique qui fait que t'as 10 personnes derrière qui en pâtissent. Et puis le problème, c'est que c'est souvent des gens obtus qui restent vraiment dans Ouais, leurs idées c'est et leurs ça. lignes directrices et ils veulent pas bouger. Et du coup, ça n'évolue pas. Ça, c'est... Enfin, si, mais dans Bon. le mauvais sens. Bah en tout cas, dans tous les cas, rien n'empêche de suivre les créateurs. C'est bien du coup qu'ils soient finalement maintenant chacun à part, parce que libre à vous de suivre ceux qui vous plaisent en fonction de leur format. Voilà. Et vous n'êtes plus obligé d'être associé à une personne que vous n'appréciez pas. Ok, bah écoute, j'irai lire et regarder ça. Waouh, dingue. Bon, sur ces dramas, on va passer à des choses un peu plus industrie, économie, tout ça va emmerder Oui. le monde, mais il faut en parler, hein. Parce que c'est quand même assez gros.
Sony et Microsoft main dans la main. C'est fou quand même. Oh mon Dieu. Dit comme ça, bon, c'est pas aussi simple que ça, hein, mais c'est ça en fait. C'est Sony et Microsoft qui se sont serrés la main pour un partenariat autour du cloud gaming. Majoritairement le PlayStation Now. Parce que tout le monde parle de Stadia en ce moment, mais c'est vrai que Sony a son PS Now depuis 2-3 ans, quelque chose comme ça. Oui, 3 ans, oui. De toute façon, c'est arrivé avant le pass de Microsoft. Voilà, exactement. Et le pass de Microsoft a déjà, je crois, 3 ans. Donc, ou si c'est pas plus même. Un peu moins, je crois que c'est 2 ans. Il me semble que c'est 2 ans. Ouais, mais bon, dans tous les cas, on est d'accord que... oui, t'as raison, c'est 2 ans. Donc le PS Now doit avoir 3 ans à peu près. Du coup, Stadia, bien, mais Sony a déjà plus ou moins ce type d'abonnement dans les tuyaux. Et tout le monde s'y met, hein, ça c'est pas nouveau. Donc... avant cette histoire, Sony utilisait en fait les fermes de serveurs et les fermes cloud de AWS. C'est Amazon Web Service. Donc en gros, c'est le cloud par Amazon. Et on a appris, et ce qui est amusant, c'est que l'équipe de PlayStation aussi l'a appris au même moment, qu'en fait, Sony avait signé un partenariat pour utiliser le cloud Azure de Microsoft. Voilà, voilà. Hey. Donc poignée de main légendaire, hein, mémorable, c'est quand même assez grand. Et ensuite, il y a beaucoup de sites qui ont fait les choux gras de cette histoire de les employés de PlayStation n'étaient pas au courant. Alors oui et non, c'est pas aussi simple que ça. C'est que dans une société comme Sony, il y a plein de filiales et de succursales, tu vois. Il y a Sony tout court, il y a SIE, Sony Interactive Entertainment. Ensuite, il y a PlayStation, qui est une filiale à part de Sony, hein. Donc voilà, les mecs de PlayStation n'étaient pas au courant du deal. Parce que le deal vient de Sony... Non, ou de Sony... Je sais plus si c'est SIE. Attends. SIE. Ouais, c'est ça, c'est SIE, voilà. C'est SIE, bah oui. Non, c'est Sony qui a signé avec Microsoft, et c'est les employés de SIE et de PlayStation qui n'étaient pas au courant. Donc voilà, mais Sony en fait c'est la maison mère, hein. Sony c'est ceux qui font les Blu-ray, Sony c'est ceux qui font de la production cinéma, Sony c'est ceux qui font Hi-Fi vidéo électroménager, SIE c'est tout ce qui s'occupe vraiment de du jeu vidéo, PlayStation Now, et ensuite tu as PlayStation qui s'occupe vraiment de des exclusivités PlayStation, de la relation avec les studios et de la construction de la PlayStation 5 par exemple. Mais Sony, c'est vraiment la grosse maison mère qui gère tout. Et c'est au niveau de cette maison mère que l'accord a été fait. Après, c'est pas nouveau au Japon et dans plein de sociétés. Moi, je l'ai vécu à la Banque Populaire. C'est très, très... t'as presque même de la concurrence interne, hein, au niveau de certaines filiales, tu sais, qui se font la bourre parce que... ah bah ouais, la filiale-là, elle fait plus de chiffres que toi cette année-là. Donc, ça, c'est assez courant dans l'industrie. Mais surtout qu'en plus, ils sont... Enfin, Microsoft, ils sont déjà associés à Nintendo. Mais c'est ce que je disais sur Discord. Désolé de la vulgarité, mais c'est une grosse partouze, hein, qui est en train de se passer. Ah là, oui. C'est tout le monde qui est en train de batifoler avec son concurrent d'habitude qui est le. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a quelques années, Microsoft, quand ils avaient le lead avec la, avec la 360, ils avaient vraiment remonté au niveau des joueurs. Il disait, mais nous, on veut pas de partenariat, en fait, parce que nous, on est pas du tout dedans. Nous, on fait notre truc dans notre coin, on veut pas se mélanger. Quand tu es le leader, pourquoi tu crois que Sony a mis autant de temps à accepter le crossplay et ce genre de truc? Ils sont leaders, ils ont pas besoin. Et là, maintenant, c'est les plus ouverts. Et je trouve ça plutôt cool. Franchement, c'est bien. Et ils ont de bons services, parce que le pass marche quand même bien et leurs serveurs sont quand même assez efficaces. Ouais. Donc je pense que pour Sony c'est plutôt bien, quoi. Franchement ça, c'est plutôt. De toute façon tu connais ma philosophie là-dessus, hein. Moi ce qui compte c'est les jeux. La plateforme c'est secondaire au final. Donc bien sûr que les exclus incitent à avoir une plateforme X ou Y. C'est ce qui fait vendre les consoles, les exclusivités, hein. Donc ça y a pas de mal. Mais l'essentiel c'est qu'on n'ait pas 50, tu vois. Moi je suis content que toutes les petites consoles indé, les consoles tu sais qui ont été annoncées, la Subor, la console chinoise, toutes ces petites consoles secondaires ne percent pas, parce que pour moi ce serait emmerdant. Moi qui veux tout couvrir et qui suis plus ou moins obligé d'avoir au moins une plateforme de chaque pour pouvoir tu vois tester un jeu qu'on m'envoie, si on aurait 15 ce serait compliqué. Là voilà, il y a trois concurrents qui finalement s'associent sur certains services, et il y a le PC qui est la plateforme ouverte que tout le monde peut plus ou moins customiser. Ouais, non mais c'est
Moi, je te dis, je trouve ça bien. Franchement, moi, ça me fait plutôt plaisir. Parce que j'aime beaucoup Microsoft, ça n'est pas un secret. Et c'est bien, ils partagent un peu leurs services avec les autres. Mais je pense que vraiment, ça peut apporter que des choses bien. Ah, bien sûr. Que ce soit pour Nintendo, Sony. Mais regarde, le simple. Microsoft et Nintendo, ça a généré des jeux comme Cuphead sur Switch. Oui. Qui est un parfait mariage, hein, un shmup comme ça que vous pouvez prendre à la volée dans les transports en commun, en portatif, c'est bonheur quoi. Donc. Et puis s'ils arrivent vraiment à stabiliser le côté streaming, imagine tu joues à ton Halo ou ton Gears sur ta Switch, c'est quand même cool quoi. Ah mais ça va être... T'imagines, tu commences ton Gears sur ta Switch dans le train, tu rentres et tu le continues sur ta PS5 dans le grand écran de ton salon quoi. Ça serait cool. Wow. Ça serait cool. Mais bah, ça, moi, la perspective me plaît bien en tout cas. Ils avaient dit de façon Microsoft, la marque Xbox maintenant, elle doit plus être liée uniquement à des consoles et tout ça à fait être un logiciel. En exactement. Fait. Un petit peu comme Netflix ou comme et ce logiciel, tu peux le mettre partout. Ils considèrent maintenant que télé. C'est un écosystème, exactement comme quand ils ont. De toute façon, le premier pas vers ça, c'est le Game Anywhere Xbox PC. Hein. Le fait d'avoir dit oui. Tous nos jeux à venir maintenant vont être aussi compatibles PC et vous pouvez reprendre la sauvegarde à la volée d'une plateforme sur l'autre, c'était déjà avant-gardiste, hein, selon moi. Bien sûr, bien sûr. Mais du coup, ouais, c'est plutôt cool. Et comme je te dis, même les Smart TV, les prochaines Smart TV, bah, tu peux mettre ton application Xbox dessus. Ouais. Et jouer, t'achètes ta télé et tu peux directement jouer à ta mais console. En fait, c'est ça le fou. Et Stadia va aussi aider à ça. Que ce soit Stadia ou PlayStation Now, ils vont tous s'y mettre. Hein. Le fait que sur n'importe quel, et la 5G va en plus aider encore ça, la 5G qui va proposer que n'importe quel périphérique, domotique, hi-fi vidéo soit connecté en ligne, tu vas pouvoir jouer en streaming sur n'importe quelle plateforme. Tu vas prendre ton smartphone, tu vas pouvoir jouer à un jeu AAA de qualité PS5 ou PC. C'est pas toi qui vas faire le rendu, toi tu vas juste avoir l'image en fait en streaming. Et ça c'est fou quoi. Et comme tu dis, du coup les Smart TV, ça peut être les futures consoles de jeux en fait. Bah moi je vois bien les choses comme ça, parce que t'as de plus en plus de télé justement où ils te mettent justement les logiciels préchargés dedans. C'est ça. T'as Netflix, voilà. Bah tu mets Xbox, tu t'achètes ta télé, tu récupères une manette et ils te filent... Admettons, bah tiens, vous achetez la télé, on vous file une manette. Et paf, tu peux jouer à ta console. Alors c'est vrai que t'as tous les collectionneurs qui sont en train de s'ouvrir les veines parce que pour eux c'est oui, la fin des haricots. Oui. C'est vrai, il y a des contreparties à ce futur qu'on est en train de décrire. Bien entendu qu'on ne possédera plus ces jeux de manière matérielle. Le service se casse la gueule, quid de notre bibliothèque. Tout ça, ça va être des questions qu'il va falloir répondre très clairement. Mais c'est comme toute innovation. Le cadre légal est pas encore forcément calé, mais plus les trucs vont avancer, regardez les lootbox, il y a de plus en plus de sénateurs et de pays qui décident maintenant de faire des législations sur les lootbox. C'est tout, au bout d'un moment, s'il n'est pas auto-régulé par les gens qui créent le système, sera régulé par les autorités. C'est comme ça. Hein. Skywolf, alors il nous dit, c'était fake, moi j'étais sûr que je pourrais jouer à tous mes jeux Xbox sur PC. Oui, ça, non, c'est effectivement, ça a été. Et des exclusivités Cloud Gaming. Oui, ça par contre, ça pourrait arriver. Il y en aura, clairement, hein, c'est clair. Oui, bah, c'est d'ailleurs ça qu'il faut qu'ils fassent s'ils veulent faire venir les gens sur ces plateformes. Parce que proposer une énième fois un Super Meat Boy, un Transistor, tous ces jeux qu'on a déjà eu sur toutes les plateformes, au moins 15 jours gratuits, tu sais, ça marchera pas. Il faut qu'ils sortent vraiment une grosse exclue qui va inciter les gens comme un God of War, un Last of Us à venir sur la plateforme. Sky qui dit je ne veux pas vivre dans ce futur. Mais malheureusement, je pense qu'on est. Parce que même dans le cinéma, c'est pareil. Hein. Mais après, libre à toi d'être un anti-progrès et de rester sur des jeux. Regarde, ce qui est bien, c'est que quand il y a cette mode qui se fait, il y a toujours une mode à contre-courant qui se fait pour les gens qui sont pas fans. Regarde des projets comme Limited Run Games. C'est un éditeur qui fait que du jeu dématérialisé en boîte et en édition limitée, pour que les gens qui ne veulent pas entendre parler des jeux en démat puissent s'acheter une version boîte. Donc il y aura toujours cette contrepartie pour ceux qui ne veulent pas. C'est vrai, c'est vrai. Et puis comme je te disais, même dans le cinéma, de toute façon, le côté collectionnite commence un peu à baisser. Ah ouais. Alors, bien sûr, il y a le téléchargement. Bien sûr, t'as le téléchargement, évidemment. Mm. Évidemment, mais
Mais même les achats en démat, ça commence un peu à tourner. Et vu le prix des Blu-ray qui est quand même assez élevé. Ouais, c'est ça. Et genre, maintenant ils te sortent des Blu-ray 4K. Enfin, ça fait quelques temps, ça fait un an ou deux, je crois. C'est combien un Blu-ray 4K en moyenne ? Un film triple, un blockbuster qui sort Entre 25 et 30 euros, et c'est plus souvent 30 euros. Ah ouais ? Et même les rééditions de très vieux films, souvent c'est 30 euros. Et le problème, c'est que le plus souvent, t'as même pas de bonus. Donc tu rachètes ton film plein pot. Et t'as pas les bonus en fait de base que t'avais dans le Blu-ray classique. Bah ça c'est honteux quoi. Surtout que c'est pas la place qui manque sur la galette hein, j'imagine. C'est surtout ça. Et le problème c'est que là ça commence à faire un foin. C'est tout doucement tu vois ça commence à faire du bruit parce que les gens en ont marre de racheter le film 4, 5, 6 fois. Bah c'est clair, tu m'étonnes. Et puis t'as les différentes éditions, t'as les différents et le problème c'est que j'ai l'impression que la 4K c'est vraiment le coup de trop quoi. Mm. Et je pense que le démat va arriver aussi, ça va percer aussi dans Par contre, ce que j'ai vu en démat c'est que les films en 4K tu payes ça plus cher, par exemple la location, que le même film en Full HD. Ah oui. Bah, t'as un gain de prix par rapport à la qualité quoi. Ça c'était déjà le cas quand t'avais juste le, enfin ça existe toujours d'ailleurs, mais le standard, c'est-à-dire en dessous de l'HD. L'HD et le 4K, effectivement, tu payes le SD, selon le truc, quoi. Mais alors, encore, le streaming pour la 4K, il... Vincent qui nous dit, à quand une alliance Nintendo avec Google et iPhone? Nintendo et Google, on y est, parce qu'il y a Mario Kart Tour, et ça tombe bien, c'était une des news de la semaine, qui est en bêta actuellement sur smartphone au Japon. Donc, smartphone Android, hein. Et Mario Run, je crois, était dispo et sur Android et sur iOS. Donc si on réfléchit, c'est déjà le cas. Regarde Pokémon, tu joues à Pokémon Go peut-être, Vincent. Bah voilà, Nintendo, Google, iPhone, Pokémon Go. Où Sony et Microsoft veulent contrer Stadia. Exactement, c'est ça. Le but de tous ces projets et ces investissements dans le cloud, c'est Stadia qui arrive quand même autoculteur, hein, y a pas photo. On va passer à un screenshot, alors vite fait, hein, on a eu la première image de Town, qui est le prochain jeu de Game Freak, et Game Freak c'est les ayants droit de Pokémon, donc ça sent très fort Pokémon, hein, en toute sincérité. Oui, j'ai regardé le screenshot, oui, effectivement, on est très proche. Ça semble être un combat au tour par tour. Ton perso, c'est le mec que tu vois de dos. Alors j'aime bien la DA, c'est cel shadé, c'est très coloré, ça fait vraiment dessin animé. C'est plutôt sympa. Ouais, l'interface est bien jolie. Elle est complexe, mais en fait, t'as l'impression de voir un genre de Hearthstone. Tu sais, avec, regarde, chiffre d'attaque, chiffre de dégâts en rouge et en bleu. Oui. Les différentes attaques de ton perso en rond autour de lui. Les points de vie à toi, les points de vie adverses. C'est vraiment un mélange entre Pokémon et les jeux de cartes à collectionner. Ouais, ça a l'air plutôt cool quoi. La DA me rappelle un peu Oceanhorn. Oui, c'est vrai. Le petit Zelda qu'ils avaient fait. Tout à fait. Et là, on voit donc le trailer qui avait été diffusé lors d'un Nintendo Direct. Où ça bouge. Donc, ouais, c'est choupi. Je m'inquiète pas pour eux. Avec la fanbase de Pokémon qui va être entre guillemets intriguée, il suffit qu'il y ait une personne sur deux qui accroche et ça fera déjà des millions d'exemplaires de vendus. Donc je m'inquiète pas trop. Ah non, mais ça va fonctionner, ça là-dessus, il y a pas de souci. Donc pareil, on vous couvrira ça sur Renegades. Je pense qu'on se le procurera. Sorti cette année, je crois pas qu'il y ait de date pour le moment. Non, j'ai regardé, j'ai pas vu de date. Ouais. C'est bien ce qui me semblait. Ok. News suivante. Oui, du coup, j'ai pris le screenshot, mais franchement, on est juste tous les deux ce soir. T'as le conducteur. Non, mais vas-y. On le fait à la freestyle. Je te laisse les trucs voilà, un peu plus précis. Et puis moi, je partirai sur tout ce qui est cinéma, musique. Je te laisse. On va vous montrer un autre trailer de Rune 2. Alors, anciennement Rune Ragnarok, qui est censé être la suite de Rune tout court, un jeu de 2000. Qui a été développé par Human Head Studio. Human Head Studio qui avait fait Prey, le premier Prey avec l'Indien qui se fait enlever par des extraterrestres. Assez mémorable. Ouais. Donc les mecs sont balèzes hein, et ils ont un CV long comme le bras. Et donc Rune, c'était un jeu un peu viking, action RPG, on va dire. Et du coup, bah, c'est la suite directe de Rune.
Ils ont juste renommé le jeu, je pense, pour que les gens comprennent bien que c'est une suite et pas un reboot peut-être du premier, tu vois, ou carrément une nouvelle IP, parce que tout le monde ne se souvient pas de Rune qui date maintenant, qui a 19 ans, tu vois, c'est... Mais ça a l'air plutôt cool, hein. Je suis en train de regarder... C'est pas moche, déjà, de 1. Ça fait clairement graphisme d'un jeu PC. C'est pas du triple A console, on est d'accord. Mais la DA, comme tu dis, elle est bien. Apparemment, il y a de la construction et de la gestion de village. Donc j'imagine craft, ressources, etc. Et des combats contre des énormes démons. Ça pourrait bien me tenter. Je pense qu'il y aura des points communs avec Fear... Non, comment c'est le jeu que Ghost a streamé hier sur Renegades? Plague... Non, c'est pas ça. Non, c'est pas Plague Tale Innocence, c'est... Cold Fear? Non. Fear of the Cold? Cold of the Fear? Je sais plus. Ouais, ce mélange... c'est un double A où tu survis du coup dans l'hiver post-apocalyptique. Ok. Et je trouve que ça ressemble vraiment à Rune. Non mais franchement, ça a l'air plutôt cool. Moi j'aime bien. La seule fois où on l'avait vu, c'était un trailer précalculé avec le grand titan là qui bastonne le héros. Mais là, c'est vraiment du gameplay in-game, hein. C'est-à-dire, c'est pas précalculé, c'est tel quel. Donc pareil, je suis curieux. Ce sera du double A, hein, vous attendez pas, comme je dis, un jeu triple A. Ce sera pas du tout le cas. Ceux qui ont aimé Skyrim, je vais pas dire que ce sera dans la veine de Skyrim. Mais la DA, elle est proche, l'univers est proche. Les combats, pour peu que vous soyez en vue TPS, ça y ressemble. Donc voilà. Et il n'y aura plus beaucoup à attendre parce qu'il sort cet été. Ok. Moi, je pense que je vais streamer, tu vois. Je vais tenter, celui-là. Alors, attends. Je vais aller... Ah, c'est Fed to Silence, le jeu donc Ghost a streamé hier. Ah oui, moi, j'étais pas du tout genre. Ok. Et regarde, je le mets juste derrière pour que tu aies la comparaison. Tu vas voir, je plaisante pas. Hein. C'est quand même super proche. Ah, oui. Oui, effectivement. Viking, check. Combat TPS, check. Oui, check, c'est bon. Gestion de village, check. Ah oui, carrément. Oui, tu dirais le même jeu, quoi. À part le... c'est un truc de fou. En fait, il nous a pas dit, mais il a eu une version exclusive de Rune de... Mais c'est ça, il nous l'a caché, en fait. Il a... Non, on plaisante. Surtout ça, que, de mémoire, Fed to Silence, c'est Focus Home, je crois, qui édite. Je sais plus. Focus Home qui est... on va pas dire que c'est un partenaire Renegades, mais on travaille régulièrement avec eux. Donc, on plaisante, hein, Focus. C'est pour du LOL. Oui, j'ai du mousse. Entre la torche. Ah, j'entends Nico dans mon oreille. Ah, ok, d'accord. C'est parce que la vidéo était ouverte. Ok, ensuite, suite des hostilités pour ce soir. Alors, pour la prochaine news, je te le dis, c'est terminé. Celle d'après. C'est terminé. D'accord. Plus. Ok. Je viens de regarder. Ça marche. Si tu veux passer. On va juste dire que, du coup, les développeurs de The Surge 2, qui est le Dark Souls-like futuriste SF, c'est sa suite. Donc, j'avais streamé le 1 un soir sur Renegades, je crois. Oui. Il me semble. Il y a quelques jours, enfin, semaines. Donc, la suite arrive. On est tous très hypés parce que moteur développé maison, jeu. Le 1 avait vraiment énormément de potentiel. Et là, ils poussent le truc vraiment dans tous les sens plus loin. Et ils cherchaient donc des gens pour un bêta test, une bêta fermée. Et il y avait un formulaire d'inscription qu'on voulait vous partager. Mais apparemment, Daros nous dit que c'est terminé. Ils mettent en fait qu'ils ont reçu plus de 5000 inscriptions en 24 heures. Et que du coup, voilà, pour le moment, c'est fermé. Ok. Et sinon, il y a les développeurs de Ninja Theory qui sont en train de bosser sur Nioh 2. Donc un autre Dark Souls-like japonais. Et eux, alors ne cherchent pas des bêta-testeurs, ont carrément envoyé des mails à des joueurs PlayStation au hasard pour leur proposer une alpha fermée de Nioh 2. Voilà. Donc regardez vos mails et regardez votre bibliothèque PS4. C'est pas impossible que le jeu ait apparu dans votre bibliothèque. Moi j'ai regardé, j'ai pas, malheureusement. Ah, c'est dommage. Bah ouais. Mais Adjin est sur le coup aussi parce que lui a séché le 1, comme il est fan de jeux de bagarre et des jeux de From Software. Il a dit s'il l'a, il le stream clairement. Mais après, je lui ai dit, il est pas impossible que le jeu soit sous NDA à ce stade. Ah bah, c'est même quasiment sûr. Ouais, donc. Il y a de fortes chances. On vous promet rien par rapport à ça, voilà. Mais
Si vous cherchez, je pense qu'il y aura des vidéos sur YouTube. Hein, très clairement, il y a des mecs, la NDA, le temps d'avoir la vidéo en ligne, ils prennent le risque de le faire. Est-ce que tu aimes les jeux gratuits ? Ah, mais moi j'aime, quand c'est gratuit, je kiffe. Tout le monde aime les jeux gratuits, je crois. Non, donc, tu sais quoi, moi j'ai un gros problème, c'est que les jeux gratuits, c'est souvent des jeux qui sont sortis, tu sais, il y a quelques mois, voire années en arrière. Et du coup, c'est souvent des jeux que j'ai déjà dans ma bibliothèque. Mais du coup, vas-y, pour les viewers. Oui, quand même, parce que ça peut être intéressant. Ah bah oui. Donc, sur le store Epic, le fameux Epic Store, jusqu'au 30 mai, vous pouvez télécharger gratuitement Rime, qui est pas mal. Moi, je l'ai testé, il est plutôt sympa, ce petit jeu. Story Untold, également, sur l'Epic Store. Alors ça, c'est un jeu écriture. Ah ouais, il est gelé, il est génial. C'est super, hein. Ah, par contre... Est-ce qu'il a été traduit en français ? Et non. D'accord. Il est tout en anglais. Parce que quand moi, donc, je l'avais récupéré sur Steam il y a genre un an, il était en anglais intégral. Bon, moi, ça me pose pas de problème, mais comme c'est basé uniquement sur le texte... Ah là, carrément. Mais sinon, l'ambiance est vraiment excellente. L'histoire est vraiment sympa. T'as quatre petites histoires, je crois. Et c'est vraiment cool. Mais oui, par contre, il faut que vous maîtrisiez l'anglais. Ouais, c'est ça. Complètement. Ah oui, un bon niveau. Il y a aussi Jalopy sur Humble Bundle. Donc il est encore gratuit 24 heures. Alors celui-là, je l'ai essayé hier. C'est à mourir de rire. Je connais pas. C'est un simulateur de voiture de la RDA. C'est en fait ton oncle qui te file une genre de vieille Dacia. Tu dois la réparer et tu dois partir sur les routes, faire des trucs. Et c'est très simpliste graphiquement, genre cel shading, sans texture. Mais j'étais envoûté hier. C'est très étrange comme jeu. Bon bah écoute, j'y jetterai un œil. Et puis en dernier, donc jusqu'au 28 mai. Voilà. Eh bien, EA offre les Sims 4 sur Origins. Yeah. Donc, si vous voulez les Sims 4, foncez. Puisque c'est gratuit jusqu'au 28 mai. Bien sûr, il n'y a pas les extensions. Alors, on vous met les liens. Donc, ça, c'est Rime. Ensuite. Alors, je les mets sur le chat Facebook Renegades, hein, qu'on soit bien clair. À tous ceux qui sont sur d'autres plateformes qui nous regardent éventuellement, faut venir sur le Facebook Renegades. Vous allez sur Facebook et vous tapez RGSFR. On peut pas faire plus simple. Jalopy, je vais aller voir parce que 24 heures, c'était hier. Il y a 23 heures. Donc si ça se trouve, vous avez encore. Vous avez encore quelques heures pour le prendre. Voilà, comme ça vous avez tous les liens dans le chat. Faites-vous plaisir. Et le dernier lien que je vais aller aussi vous récupérer, c'est du coup The Sims 4. Ils sont généreux en ce moment, hein, les éditeurs. Là, oui, quand j'ai vu tout ça, je me suis... Bon, à l'approche de l'E3, finalement, tu vois, c'est peut-être pour dire... allez, on vous fait des petits cadeaux, histoire que vous pensiez à nous et que vous ayez nos marques en tête. Voilà, vous avez tout dans le chat sur Facebook. N'hésitez pas à vous faire plaisir, c'est la maison qui offre. prochaine vidéo, prochaine news, je vais te laisser, parce que ça, les... Alors je vais pas parler longtemps de ça parce que en fait c'est plus un truc qui me plaît moi que réellement le grand public, parce que déjà qui est M2, hein, bonne question. M2 en fait c'est un studio de développement japonais qui a un CV mais alors long comme le bras, mais ils sont majoritairement connus pour avoir fait des portages hallucinants. En fait c'est des gens qui prennent des jeux arcade et ils en font des portages. Tu sais, sur des compilations Sega, par exemple. Sega a sorti des compiles, mais sur toutes les plateformes. Et ben, tous les jeux arcade Sega sont portés par M2. Et en fait, de tous les studios qui font des portages, des conversions, des émulateurs, M2 est respecté comme le studio où tu leur proposes un projet. Ils regardent le cahier des chartes. Ils se disent, on va le faire. D'habitude, c'est les studios comme ça qui ont un budget limité sur des projets, ils enlèvent des features parce qu'ils n'ont pas le temps, tu sais, où ils essaient de faire le projet au plus juste. Et ben M2, ils remplissent le cahier des charges et ils te livrent des goodies en plus, des bonus, des modes de jeu additionnels, des filtres d'écran. Okay. Ah oui, c'est cool. Ils mettent des boss d'un autre jeu dans un nouveau jeu. Enfin, c'est des fous furieux de la programmation. Et du coup, la chaîne My Life in Gaming, qui est ultra connue pour... ils ont en fait toute une série de vidéos, ça s'appelle RGB Masterclass. Ça vous apprend comment tirer le meilleur parti des consoles rétro sur des écrans modernes et des écrans cathodiques. Donc soit via, tu sais, petit boîtier style Frammeister, XRGB, etc.
soit via carrément des puces que tu soudes sur ta console, etc. Et ils sont très 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 au point sur tout ce qui est rétro gaming. Et en fait, ce report, c'est carrément un reportage qui dure une heure, qu'ils ont fait en partenariat avec je sais plus quelle chaîne. C'est Limited Run Game qui a financé le reportage aussi. Ok. On parlait d'eux avant, donc... Oui. Non, mais c'est intéressant. J'ai être un œil, ça. Tu vois, je ne connaissais pas. Mais ouais, le fait qu'ils rajoutent en plus des modes ou des... Ça peut être cool. Ah, ils sont incroyables. Hein. C'est un studio de... Et donc, ils sont allés au Japon pendant 2 semaines. Ils ont interviewé les développeurs de M2. Ils ont interviewé des collègues, donc des gens de l'industrie au Japon qui ont bossé avec M2 ou qui ont commandité des projets. Et c'est super intéressant, quoi, parce que... Ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, parce que c'est vrai que c'est assez... un rétro, deux techniques, mais c'est sous-titré, donc au moins vous comprendrez. Et vous verrez pourquoi, du coup, des fois, on se plaint quand il y a des portages qui sont de mauvaise qualité. Ou par exemple, quand la PlayStation Mini fournit des jeux en 50 Hz, mal retaillés, avec les proportions qui sont pas respectées, etc., etc. Eux, c'est tout l'inverse, en fait. Ils te prennent un jeu, ils le subliment, donc ils livrent la version déjà arcade perfect, comme on appelle ça, et ils te rajoutent encore des options, des bonus, des modes. Il y en a qui devraient en prendre de la graine. Hein. Moi, bah, c'est ça, en fait. C'est un maître étalon pour tous les studios qui se prétendent double A, on va dire, ou bien qui proposent de porter des projets déjà existants. Donc, pareil, je vais vous mettre le lien dans le chat. Et je te laisse enchaîner avec la suite. Alors donc, on va parler de MO5. Nos amis de MO5. N'est-ce pas? Donc, ils sont en ce moment en train de faire une récolte de fonds. Ah ouais, c'est important d'en parler, ça. Alors donc, je vais peut-être te laisser en parler, tu seras peut-être un petit peu plus précis que moi, mais je crois que c'est pour transporter une collection, c'est ça? Alors en fait, c'est ça. C'est la collection complète de MO5 qui actuellement se trouve dans le sud de la France. Donc on va pas revenir sur qu'est-ce que MO5, c'est une association qui fait de la préservation informatique en fait, et à l'heure actuelle, elle est composée de 2 collections privées qui ont fusionné, et qui en ont fait la plus grosse collection de France, en fait, tout simplement. Donc, il y a la collection de Phil Dub, qu'on a reçue dans un précédent Play Week Show. Phil, si tu nous regardes, pâté, c'est le cri de ralliement de Phil, hein, pâté. Faut dire pâté. Ah, d'accord, voilà. Ok. Bon, je saurais. Alors, pâté et bombe, voilà. C'est les 2 mots qu'il emploie le plus sur Facebook et sur les réseaux sociaux. Pâté et bombe. Je ne sais pas. Et donc, ouais, effectivement, il déménage toute la collection, donc c'est plus de... 20 000 pièces, je crois, ou 40 000, je sais plus. Enfin, plus de 20 000 sur pièces informatiques. Donc, imaginez, hein, une console, ça peut prendre une certaine taille. Un ordinateur, c'est encore autre chose. Hein. Il y a des écrans, il y a des calculateurs. Donc, des calculateurs industriels, c'est des trucs qui prennent la taille d'une armoire, à peu près. Hein. Enfin, il y a tout et n'importe quoi. Et aussi des jeux. Donc, des jeux qui vont de la première génération de consoles à l'actuelle. Hein. C'est vraiment ultra vaste. Et donc, effectivement, ils demandent... Alors, le transport coûte bien plus que ça, hein. Mais ils ont des mécènes et des donations privées. Ils ont pas beaucoup d'aide de l'État. Tu te souviens, Phil nous en avait parlé. Hein. C'est incroyable d'imaginer qu'une collection qui pourrait être considérée comme... Enfin, je suis désolé, on a le Louvre. Le Louvre, il est payé par qui? Je sais pas, mais je pense que 80% des financements du Louvre, c'est l'État. Avec du bien mécénat sûr. Derrière, avec des particuliers qui aident. C'est ce qu'il nous avait dit. Il avait dit, en fait, les ministres en eux-mêmes, ils disent « Ah bah oui, tiens, ça serait... Effectivement, ça serait bien. » Et ils te disent « Mais par contre, tous ceux derrière, ils vont refuser. » Ouais, c'est ça. Ou alors, ça change tellement souvent de gouvernement, au ministère de la Culture, par exemple, que tu prévois des trucs avec des mecs 6 mois après, c'est plus les mêmes mecs, ils ont pas passé les dossiers, tu dois tout recommencer. Refaire les réunions, refaire les restos, serrer des mains à nouveau, et c'est un truc qui n'en finit pas. Du coup, le problème, c'est que ils ont l'impression d'être pas entendus, hein, et pour moi, c'est l'équivalent du Louvre, mais informatique, et il y a aucune aide de l'État, quasiment. Je comprends même pas que l'État ait pas trouvé un local qui leur est alloué, tu vois, simplement. Ils doivent payer un local privé. Donc avec la location, avec le gardiennage, avec tout ce qui va bien. Et Guillaume, qui est le rédacteur qui s'occupait des articles du blog et du site rédactionnel, qui bosse depuis 4 ans, je crois, pour eux. Pendant 2 ans, il avait été rémunéré, bon, pas à temps plein, mais il lui donnait la pièce. Et ben, ils peuvent plus le rémunérer.
Donc il a dû faire une reconversion, il va devenir développeur web, et il a dit qu'il ferait plus que quelques news sur le blog quand il aura le temps. Donc pour te dire, une assoce comme ça n'a même pas les finances de payer un rédacteur à temps plein. C'est fou, quoi. Bah c'est honteux, surtout. Alors qu'ils sont sur tous les salons, ils étaient au Stunfest, ils seront à la Paris Games Week, enfin tu les vois partout. Mais quand tu vois comment ils arrivent à tourner et les moyens qu'ils ont, c'est dérisoire, hein, dérisoire. Parce que ce soit les gouvernements, ils prennent ça à la, pas à la rigolade, mais ouais, allez, c'est bon. C'est... Bah, on va dire que c'est loin d'être la priorité actuelle quand tu sais qu'il y a des gens avec des gilets dans la rue, quoi. Mais c'est dommage, c'est dommage. Oui, mais enfin, t'inquiète pas, il y a d'autres priorités qui prennent aussi, qui pourraient passer. Bien sûr, bien sûr. Ça, non, mais. On vous met le lien dans le chat aussi hein, pour aider MO5, n'hésitez pas. Je le remets sur Twitch aussi. Voilà. Vous avez le lien avec la récolte de fonds Facebook. Donc, ils demandent 4000 euros sur Facebook. Bien entendu que ça va leur coûter beaucoup plus hein, de déménager toute la collecte. Mais voilà, oui. Ils partent du principe qu'avec ces 4000-là, ils vont pouvoir déjà faire quelque chose. Et tu regardes, ça fait, je crois, 3 jours qu'elle est en ligne. Il y a 236 euros qui ont été récoltés. Par 3 personnes seulement. Hein. Et c'est ce que je regardais, justement. Donc, Gwen Leblon, hein, je pense que tout le monde le connaît. Hein, c'est le président de Games & Co. Il fait plein de trucs... Il est investi dans plein de trucs liés aux jeux vidéo. C'est lui aussi à un moment donné qui possédait ou qui faisait tourner la sauce, tu sais, qui avait les véhicules de cinéma, genre des DeLorean, la voiture de Ghostbusters. Oui, effectivement. Voilà. Oui. Et ben c'est Gwen aussi qui gère ça. D'accord. Et, bah lui, c'est le premier à avoir fait un don de 100 euros. Derrière, il y en a eu deux autres qui ont donné 100 et 36 euros. Et pour le moment, c'est tout. C'est bloqué. Donc franchement, si vous pouvez, après, on sait très bien que les temps sont durs. Hein, mais voilà, donnez-leur un coup de main. Le jeu vidéo et surtout la culture et la préservation informatique vous remercie. Ensuite, on va voir une petite vidéo. Bon, petite vidéo sympa, ah oui. Il n'y a pas beaucoup de choses à commenter. Ah justement, rapide, ouais. En fait, c'est temps de chargement de la PS5. Parce que maintenant, vous savez, on a eu les spécifications techniques de la console. On sait ce qu'elle a sous le capot, plus ou moins. On sait qu'elle ne sortira pas avant avril 2020. Bon, on n'a pas du tout la date exacte ni le tarif. Et il commence en interne, donc dans des conventions d'employés Sony. Là, c'était la Sony... Comment ils appellent ça ? IR Day 2019, voilà. Donc, c'est un truc de stratégie, de marketing, corporate. Donc, c'est vraiment pour les employés à Tokyo. Mais du coup, bien sûr que ça a été filmé. Et il compare, en fait, le temps de chargement de... Alors, c'est le Spider-Man de Insomniac pour charger donc l'Open World sur PS4 Pro. Qui va déjà plus vite que la PS4 standard hein, et la Slim, rappelons-le, et donc la PS5 qui tourne sur un SSD. Et c'est là que vous allez voir que ça va faire une sacrée différence le SSD, vraiment. Donc ça, c'est la PS4 Pro. Ce qui est correct, hein, 8 secondes pour un open world. Oui, ça va, hein, franchement. Et ça, c'est la PS5. Pire. 83 centièmes. Blah! Même pas une seconde. C'est fou ça. Donc imaginez le streaming et les capacités de streaming local hein, genre un Red Dead Redemption qui met 2 minutes à charger là ce sera instantané quasiment. Puis là pour les open world et tout ça va être, ça va être cool. De toute façon maintenant on arrive de plus en plus à des moteurs qui streament tout hein, où tu as un temps de chargement au départ et ensuite tout est fait en tâche de fond, toi tu le vois plus. Donc ce sera beaucoup plus efficient pour les développeurs d'utiliser ça, hein, clairement. Ah oui, carrément. Non, mais c'est assez impressionnant. Là, vraiment... Moi, j'étais sur le derrière quand j'ai vu ça. Ouais. On va imagine Anthem qui met 4 minutes à charger à chaque fois que t'as... Le problème, c'est qu'il met 4 minutes 30 secondes ou quoi que ce soit, ça changera pas le jeu. Non, malheureusement, ça sauvera pas le jeu, ça. C'était un peu le problème. On va parler d'un artiste, maintenant. Quoi ? Un artiste ? Mais mon dieu, mais un artiste, mais qui ça pourrait ? A-t-il du talent, cet artiste ? Oui. On va parler du loup qui a sorti son album. Donc je vais te laisser t'as le lien de toute façon. Oui. Je vais te laisser le partager. Donc j'ai écouté quand même hein, ce qu'il faisait. J'allais te poser la question, est-ce que tu as écouté ? Ah bah oui, quand même. Et bah c'est très bien, c'est de la très bonne chanson française. Et comme je lui ai dit en MP... Ça me fait penser à un mélange de Souchon et Jonas. C'est exactement ce que j'ai dit, purée.
C'est j'ai ça, dit Souchon, Woolsey, Jonas, les années 80 avec des mecs qui se baladent dans la rue au ralenti avec des impairs, tu sais. Exactement. Et les, c'est extrêmement bien. Les textes sont plutôt sympas, la musique est bonne. Moi je trouve que très bien. Si vous pouvez l'écouter, de toute façon, vous avez l'écoute sur le. Eh ben, tu sais quoi, je peux le passer un peu en fond parce qu'il n'y a aucun risque qu'il nous strike. Et si tu nous strike le loup, ça va chier. Ouais, alors là, par contre, c'est fini. C'est terminé. Non, mais c'est franchement, c'est un très très bon album. Et je connaissais son talent pour les vidéos. Mais franchement, musicalement, j'aime beaucoup. Donc, je trouve que c'est très très bon. Et puis, ça s'écoute facilement. Tu sais quoi, moi je suis déjà pas trop chanson française à la base. Ah, moi non plus. Mais quand j'arrive à retenir en fait une mélodie et à la chanter dans ma tête, genre au bout de deux écoutes, je sais que c'est une bonne zik. Franchement. Oui. Et puis c'est des musiques, moi j'appelle ça détente, tu sais, du. Voilà. Tu sais quoi, moi j'adore écouter ces zik là en roulant parce que ça me rappelle les compiles radio, tu sais, que mon père avait, mettait dans la voiture quand on partait en vacances. Il y a des trucs comme ça, c'est vrai. Non mais moi j'aime beaucoup. Franchement, j'ai écouté. Bravo. Il y a rien à dire, c'est bien. Voilà. C'est fou, il a tous les talents. Mais c'est ça, hein, quel homme. Franchement, au bout d'un moment, moi je suis dégoûté. Donc c'est 12 titres. Vous pouvez tout écouter en dématérialisé, sans lui donner la pièce. Mais comme c'est sur Bandcamp, vous pouvez aussi lui donner la pièce. Et en toute sincérité, je vais lui donner la pièce parce que. Ah mais moi aussi. J'ai récupéré tous les MP3. Je les ai pas récupérés, mais tu peux les écouter en ligne, hein, et après tu peux acheter la piste. En toute sincérité, je vais lui donner l'équivalent du prix d'un CD, genre 10€, pour avoir les MP3. Parce que je pars du principe que ça les vaut, tout simplement. Mais moi, c'est pareil, je lui dis que je bah voilà, il a mis l'album à 11€, tu vois, j'ai dit 10€ comme ça tête, mais c'est exactement ce que ça vaut, hein. C'est 90 cents la musique, c'est comme ça à peu près que iTunes facture aussi. Merci pour la publicité, en tout cas les amis, il fallait pas, mais si. Ben, d'autant plus que tu es partenaire Renegades, donc c'est pas juste une fleur qu'on te fait, c'est aussi la preuve à tous les viewers qui auraient éventuellement du contenu à nous proposer que on vous fait pas de chèque chez Renegades, mais en tout cas on vous donne le maximum de visibilité qu'on peut, tout en essayant d'en créer aussi de nous-mêmes, bien entendu, hein, pour que le bousin prenne de la puissance et fait boule de neige. Mais voilà, c'est le principe aussi d'un collectif, c'est de se rapprocher de gens qui ont des compétences et des talents que nous on n'a pas. Et c'est vrai que, on vous le répète, Renegades, c'est pas que du jeu vidéo, c'est de la pop culture, c'est du ciné, c'est du manga, c'est des comics, etc. Et du coup, ben, entre tes vidéos nostalgiques et puis ta musique, ça reste selon moi de la geek / pop culture aussi. Donc, Et n'hésitez pas à nous contacter donc si vous avez des contenus qui pourraient rentrer dans le cadre d'un partenariat avec ce qu'on produit déjà. Voilà. Vous voyez ça avec John directement, vous envoyez un MP de page, c'est encore plus simple. Alors la suite, on a quoi? On Je a. Te laisse enchaîner. Alors il y a deux jeux qui se cassent plus ou moins la gueule, hein. On va pas tourner autour du pot. À mon avis, c'est mal barré, hein. Alors pour ceux qui connaissent Lord of the Fallen, est-ce que tu y as joué, Daros? Oui, j'y ai joué. Ouais. Je l'avais. C'est sur Xbox One, je crois, j'avais fait. T'en as pensé quoi? Bah, c'était plutôt sympa. J'ai passé un bon moment. Après, c'est sûr que si tu compares au From Software ou aux autres, c'est un peu. On est d'accord. On est d'accord. C'est pas du From Software. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est en même temps, c'est la version, on va dire, plus grand public. Regarde, on parlait de The Surge qui va avoir une suite. Pour moi, The Surge 1 est pas moins bien ou mieux que Lords of the Fallen. Il était un peu sur le même délire, tu vois. C'est ça prend le game design d'un Souls et ça essaie d'en faire autre chose avec un petit peu moins de moyens, effectivement. C'est exactement ça. Après, Lord of the Fallen, mécaniquement, avait des petits soucis de game design. Hein. Il était trop lourd, tu vois. Même les armes et les coups rapides étaient lents, selon moi. Donc, imaginez ceux qui étaient lents, hein, à ce que c'était. Et le problème... Mais il était magnifique. Graphiquement, selon moi, il était très beau, pour l'époque, impressionnant. Hein. Des effets beau, de particules, des textures ultra détaillées, des environnements bien designés. Mais le problème, c'est que le studio qui a reçu les rênes pour le deuxième, apparemment n'a pas rempli, on va dire, les objectifs qualitatifs qui étaient demandés par l'éditeur. Et du coup, l'éditeur a carrément enlevé le jeu des mains de Defiant Studio.
Donc l'éditeur c'est CI Games. Et Lord of the Fallen 1 avait été développé justement par Deck 13, qui sont les développeurs de The Surge. Ok. Tu vois? Ah oui. Donc il y a une logique dans tout ça. Le problème c'est que ils sont partis sur The Surge et il n'y avait plus personne pour développer Lord of the Fallen 2. Donc l'ayant droit a donné ça à un petit studio Defiant qui est pas spécialement connu pour faire du moins du TPS action tu vois ultra calibré. Ouais. Et malheureusement ils ont pas atteint un milestone hein, comme on appelle ça dans l'industrie. C'est bah quand tu fais un projet, tu sais, tu donnes des dates butoir, exactement. Oui. Où le projet doit avoir avancé à un certain niveau et apparemment ils ont pas rempli ces contraintes. Donc, okay. CI Games annonce chercher un autre studio et que le projet est toujours dans les tuyaux. Moi, je vous dis sincèrement, je pense que le projet va être annulé. Ça fait déjà tellement longtemps qu'il est en développement. Repartir de zéro, c'est repartir sur 3-4 ans nouveau de développement. Donc, et à un moment donné, ils le payent aussi tout ce développement. Puis encore, c'est pas une licence extrêmement connue, donc non. Ils peuvent pas non plus se permettre de perdre des années sur une licence comme ça. C'est pas une licence phare du tout. Et d'ailleurs, du coup, j'en profite pour coupler ça à Dead Island 2, qui a eu exactement le même problème. Il a changé 3 fois de main, je crois. Il y a eu Sumo Digital, il y a eu Saber Interactive. Et je sais plus qui actuellement est dessus. Et ça fait longtemps qu'il a annoncé. Je voilà. Me souviens de la cinéma. Enfin de la. Ah, c'était génial. La cinématique avec le jogger là sur la plage qui se décompose. Ouais. C'était excellent quoi. Et moi j'avais beaucoup aimé Dead Island, donc j'attendais vraiment. Ah moi aussi. La suite, mais le problème c'est toujours pareil. Dead Island a été créé par Techland. Techland est parti faire Dying Light 1 et est en train de développer oui. Dying Light 2 qui va être mais à succès, j'en suis persuadé. Et le problème c'est que du coup Dead Island, l'idée est là. Mais il n'y a plus personne qui est capable d'exécuter l'idée, tu vois. C'est vraiment dommage, parce que moi, tu vois, cette licence-là, j'aime beaucoup. J'avais séché les deux, de toute façon, le premier et le Riptide. Riptide, ouais, c'est ça. Voilà. Et j'avais encore mieux aimé Riptide, tu vois, l'ambiance de Riptide. Et ouais, j'ai vraiment cette suite, je l'attendais, quoi. Je suis un peu déçu, tu vois. Bah moi, je suis déçu sans être déçu, parce que j'ai Dying Light pour me sustenter, tu vois. Et d'ailleurs, on va voir du gameplay du 2 à l'E3, hein, c'est confirmé par Techland. Ah, ouais. Ça c'est cool. Ça c'est cool. Et il prévoit gros, hein, le 1 était déjà génial, mais le 2, cycle jour-nuit, avancer des saisons, des factions dans la ville qui vont être totalement autonomes et vivre leur vie carrément à part. Et toi, tu vas pouvoir influer en fonction, tu vois, de quelle faction tu t'allies, quelle faction tu te mets à dos. Ça va être vraiment incroyable. Et ils ont une politique DLC. Souviens-toi, le 1, c'était « Allez, on vous offre 16 DLC !» Comme CD Projekt Red avait fait, quoi. Donc ça, oui, c'est super généreux. Et quand ils ont fait une extension qui était payante, c'était pas un DLC, c'était une extension. Ah oui, avec les bagnoles, là, sur avec les buggy, exactement, ouais. C'était cool. Okay. Donc, Dead Island 2, point d'interrogation. THQ Nordic nous dit exactement la même chose que pour Lord of the Fallen. C'est toujours en cours. Ouais, mais tu vois, je suis plus confiant pour Dead Island 2, quand même, que Lord of the ouais, Fallen. Ouais, je suis d'accord avec toi. S'il fallait choisir, ce serait plutôt effectivement Dead Island 2 qui aurait. Il y a quand même plus de chances de sortir un jour. Allez, je te laisse la prochaine parce qu'elle est quand même assez incroyable. Je pense que vous l'avez sûrement entendu passer alors, celle-là. Je la lis puisque j'ai eu le conducteur tout à l'heure. Donc, George R.R. Martin, donc créateur de Game of Thrones, a été consulté par From Software pour un jeu, donc, je pense. Un jeu Game of Thrones, apparemment. Alors, c'est pas explicitement dit, mais pourquoi oui. Tu prendrais George R.R. Martin comme consultant si c'est pour faire oui. Autre chose que Games of Thrones? C'est sûr, tu vas pas faire un jeu de casserole ou de cuisine sur. Voilà, si tu vas pas faire Overcook 3 avec ce mec. On est d'accord, on est d'accord. Eh ben c'est vachement intéressant ça, tu vois, parce ouais. Que From Software dans l'univers de Game of Thrones, je signe tout de suite. Hein. Alors, les détails qu'on a, c'est une personne familière avec les rouages internes de From Software a dit à Gematsu que le projet donc qui était nommé en interne GR, on n'en sait pas plus, hein, les lettres G et R, Gematsu a eu le nom complet mais n'a pas le droit de le partager, il a que le droit de partager l'acronyme. Et donc le jeu est en développement depuis 3 ans, c'est un jeu open world avec des déplacements en cheval
Et donc, c'est une collaboration entre Hidetaka Miyazaki, le boss de From Software, et George R.R. Martin. Ce sera publié par Bandai Namco et ce sera annoncé à la conférence de Microsoft à l'E3. Ok. Voilà. Donc, on n'en sait pas plus, mais ça sent très 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 bon à tous ceux qui étaient en mode « Oh, on rêverait d'un jeu Game of Thrones, autre chose qu'un genre jeu de société ou jeu de cartes, tu vois, un vrai jeu triple A. » Eh ben, vous allez peut-être avoir ce que vous voulez, les gars. Et puis From Software en plus. Et voilà, c'est du haut de gamme. Et comme la série est finie, quoi de mieux pour continuer le délire de Game of Thrones de sortir un jeu ? Ce serait pile au bon moment en tout cas. Oui. Là, je crois que c'est. Faut pas qu'ils attendent trop non plus. Faut pas qu'ils. Bah, je pense que s'ils l'annoncent à l'E3, c'est pour une sortie avant la fin de l'année. Hein, donc ce serait juste bien, j'ai envie de dire. Oui, si c'est à la fin de l'année, ouais, c'est bon. Mm. Ouais, ça passerait, bien sûr. Et il y a le loup qui dit j'en peux plus de Game of Thrones. Ouais, moi, je te rassure, je suis pareil. Oui, mais quand ouais. J'ai lu From Software, j'ai fait. Il y a mon oreille qui s'est levée, tu sais. Ouais, bah, c'est pareil, mais oui, effectivement, From Software, ça attise la curiosité quand même. Quand même. Ce qu'ils vont pouvoir faire. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi avec la série, j'ai arrêté à la saison 3 et je ne compte pas regarder la suite. Donc, je te rejoins. Ensuite, la suite, ben, alors, je vais pas vous faire un débrief du Stunfest. En toute sincérité, il y a plein de sources pour voir des photos, pour voir des vidéos, pour revoir les VOD des compétitions, pour voir les super plays. Tout a été enregistré sur place, quasiment. Je vais juste parler, du coup, d'un jeu, parce qu'on a eu le développeur qui est venu chez Lorraine eSport pour nous proposer de faire des tournois eSport sur son jeu. Donc, on lui a dit avec plaisir. Et... heureux hasard, c'est ce jeu qui a gagné du coup le prix du public pour les jeux indépendants du village indé au Stunfest. Et donc c'est Super Chicken Catcher. Alors c'est un jeu à mourir de rire, un mélange entre Smash Bros, Rocket League et la balle aux prisonniers. Enfin tu vois c'est... Oh là là. Ouais. Attends, je vais te trouver du gameplay que tu vois de quoi on parle. Ah oui, je vois ça. Voilà. Ça devrait être du gameplay. C'est le trailer d'annonce. Donc c'est par équipe. Le but du jeu c'est de récupérer un poulet, forcément, d'où le nom. Et de ramener le poulet dans le camp adverse. Tu as des archétypes de perso. Donc soit tu es un cochon, soit tu es un petit mec qui a du coup la capacité de voler avec un hélicoptère sur ta tête. Oui, ok, celui-là. Et du coup, ça fait des équipes 2 contre 2. Il y en a un qui fait la monture, l'autre qui fait le cavalier. Et il faut choper le poulet. Et tu as des skills un peu à la MOBA que tu peux déclencher n'importe quand. Excellent ça. Ah, la vache. Ah, mais c'est bien fun ça. Donc, on s'est vraiment, vraiment éclaté. Tu vois, hey, ah bah, oui, une fois de plus, bien. Je veux pas dire que j'ai fait ma Irma Jop, mais on était au Stunfest avec les 8 mecs de Lorraine eSport. C'est le stand où on est resté le plus à jouer ensemble et à déconner, tu vois. Et je les ai regardés, j'ai fait, les gars, c'est ça le jeu cette année, prix du jury, du public au Stunfest. Et c'est du coup le jeu qui a gagné. Quel talent de voyance. T'as vu ça? Mais je vais ouvrir mon cabinet à l'occasion, hein. C'est prévu. Oui, hein. Et oui, tu sais que ça peut rapporter, hein. Franchement, ça, tu sais, ça peut t'aider. Mais ouais, ça a l'air plutôt fun, ok. Oui, c'est plutôt sympa ça. Et ça sort quand du coup? Alors, c'est déjà dispo. C'est déjà dispo et ça coûte de mémoire 17€ je crois, même pas 15€. 15€, c'est en accès anticipé. Ils bossent dessus apparemment un an. C'est sorti le 18 avril et ils comptent bosser dessus ouais jusqu'à la fin de l'année on va dire. D'accord. Avec des tournois qui sont déjà prévus. Donc pareil, je vous mets la page. Ça je pense que j'ai eu passé sur celui-là. Mais vraiment, il y a moyen qu'on se marre en live ensemble, hein, je pense sur ce genre de jeu. C'est ce que je pensais. Ouais. Franchement. Ça change un peu de, oui, justement, tout ce qui est Rocket League, ouais. Etc. C'est... Okay. Et comme c'est prévu que nous, on organise des tournois dessus, il n'est pas impossible qu'on ait même des clés, peut-être, à offrir ou à faire gagner, en tout cas. Je ne vais pas commencer à dire des trucs qui ne sont pas encore en cours, mais le développeur est vraiment motivé à essayer de faire une petite scène e-sport. Il a vu comme Rocket League a pris, hein, et il s'est dit, pourquoi pas nous, finalement. Ah, mais bien sûr. En plus, c'est un jeu français, donc vous encouragez des développeurs français, au passage. Exactement. Voilà, c'est fait par White Smoke Game. Et de mémoire, c'est des anciens élèves de Lissart Digital, école de jeux vidéo. Ok. Voilà. Bien intéressant.
N'est-ce pas? Je vais parler de Little Big Adventure. Ah oui. Oui. Puisqu'ils ont lancé donc un Kickstarter. Alors je sais pas si c'est pour faire un concert ou carrément un non, album. Alors c'est une bande originale, un album, ouais. C'est une bande originale donc des deux Little Big Adventure. Et ils ont pris Philippe Vacher, le compositeur donc de Little Big Adventure. Exactement, c'est le compositeur original qui a fait des musiques mais oui. Mémorables. Hein. Si vous les avez écoutées, elles vous restent en tête, c'est obligé. C'est, Moi je crois que c'est le premier que j'avais fait sur PlayStation 1, il me semble. C'est possible. Oui. Et les musiques, ouais, étaient vraiment magnifiques. Ça sent, comment dire, l'évasion, ça sent, tu vois, le voyage, le, c'est, je sais pas, c'est vraiment. On peut dire que le Kickstarter est déjà réussi puisqu'ils avaient, alors attends, ils avaient. Oui, ils ont explosé la somme déjà. Hein. 27 000 $, ils sont déjà à 32 000, plus 32 000 $. Et il reste 35 jours. Oui, donc je pense que, ok, ça va largement. Ça faire. Devrait aller. Bah, ça fait ça, quoi? Quatre jours qu'il est lancé? Je crois. Ils ont déjà pété le truc, donc ouais, c'est bon. La question, c'est cool. Est-ce qu'ils ont des contreparties supplémentaires s'ils dépassent, en fait parce que des fois, ça arrive. D'ailleurs, MO5 est partenaire, donc valeur sûre aussi. Donc, c'est Philippe Vacher. Je sais pas qui va enregistrer, c'est-à-dire, ce sera... Ah bah là, il y a toute la bande, ok. The Symphonic Suite, la suite symphonique... est-ce qu'on sait l'orchestre? Non, il précise pas l'orchestre symphonique. Alors, il avait déjà fait, pour ceux qui sont férus de musique, de jeux vidéo, un concert au Grand Rex à Paris en 2017. Donc c'était Philippe Vacher qui conduisait en fait l'orchestre de... By the Symphonia Pop Orchestra. Mm-hmm. Donc je ne sais pas qui sont ces gens, mais du coup il va peut-être rebosser à nouveau avec eux, j'imagine. Didier Chanfray sur le coup aussi. Donc le jeu était développé par Frédéric Rénal, hein, on le précise quand même pour ceux qui ne le savent pas. Et c'est Wayo Record qui va s'occuper du coup de la production de l'album. Donc ils sont connus, hein, c'est eux qui ont fait la bande son de Ni no Kuni 1, Ni no Kuni 2, Legend of Legacy, of Orc and Man, Street of Rage, Sonic Force, Skies of Arcadia et plein d'autres jeux. Eh ben, que du lourd. Ouais, donc en fait, je pense que voilà, il n'y a pas beaucoup de risques qui est pris avec ce projet. Hein. Ah non, non, bah, je pense d'ailleurs c'est pour ça que ça a fonctionné. Ouais, hein, ouais, ouais. C'est des valeurs sûres, les noms sont connus et la musique de base est géniale, alors orchestrée, ça va être quelque chose. Ah, le vinyle, tu vois, je serais pas contre. Ouais, pareil. Petit vinyle, ouais. Okay. Bah, je te laisse la suivante aussi, parce que du coup, ça parle de ciné, donc... Ouais, c'est plus mon... C'est ça. Donc, Sony prépare le PCU. C'est dingue, ça, PCU, tu sais, on dirait presque un... Tu sais ce qu'on... J'ai entendu ça, on dirait un parti politique. Quand j'ai lu ça, j'ai fait, putain, c'est un parti politique. PCU, donc la même chose que le Marvel Cinematic Universe, pour toutes ses licences, donc Uncharted, Ratchet & Clank, etc. Ils vont faire la même chose, donc au cinéma. Bonne ou mauvaise idée, pour moi c'est une mauvaise. Je pense que c'est ce qu'on disait hier au Mans. Exactement, ouais. Il y a quelques rares licences qui pourraient s'y prêter. Mais les trois quarts, déjà, comme je disais, que ce soit Uncharted ou Last of Us... C'est déjà des jeux cinématiques pour moi. Ouais, c'est, complètement. C'est très proche du cinéma. Donc, les réadapter sans gameplay au cinéma, je vois pas l'intérêt. Et puis, ça ne fonctionnera pas de toute façon parce que ça sera pas le même public et pas les mêmes. Ouais, c'est ça quoi. Le problème, c'est que s'ils veulent être super précis, respecter vraiment les jeux, ça va être. C'est long aussi d'adapter un jeu comme Horizon Zero Dawn où t'as 60 heures de contenu en un film de moins de 2 heures, tu vois. Et donc, c'est pareil, il faut être précis. Ils disent PlayStation Cinematic Universe. Mm. Alors, est-ce que, normalement, si c'est un Cinematic Universe, ça veut dire que toutes les licences doivent être dans le même univers. Ouais. Il faut que chacun corresponde. Non, mais ça, à mon avis, c'est une appellation marketing. Parce que ça tient pas la route, tu vois. Tu peux pas faire cohabiter Nathan Drake, la nana d'Horizon Zero Dawn, Ellie de Last of Us. Enfin, tu vois, c'est impossible, quoi. Ça fonctionnerait pas, quoi. Non. Mais mauvaise idée. Moi, je pense que c'est... De toute façon, on en avait parlé déjà des adaptations de jeux vidéo au cinéma. C'est très casse-gueule parce que, étant donné que t'as pas le gameplay, que t'as pas le...
ça marchera ni pour un public ni pour l'autre. C'est-à-dire que les gens qui aiment le cinéma, ouais, ils vont se dire ouais, mais nous, les jeux vidéo, on s'en fout, la licence, ça m'intéresse pas, j'y vais pas. Et les gens qui jouent aux jeux vidéo vont se dire ouais, mais j'ai le jeu, il y a un meilleur gameplay, je vais pas m'embêter à aller voir le film. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est Ça marchera ni pour l'un ni pour l'autre. Donc je pense que c'est très casse-gueule et que ça. On a vu bah, Ratchet & Clank, d'ailleurs. Ouais. Ça va faire de l'argent peut-être. Enfin, je veux dire, ils vont sûrement rentrer dans leurs frais par rapport à ce qu'ils vont dépenser. Mais Je suis pas sûr, hein, parce que quand tu vois déjà Ratchet & Clank, comment ça s'est cassé la gueule. Mm. Enfin, en même temps, c'était juste une ils avaient repris les cinématiques. Oui, bien sûr, bien sûr. Redoubler. Maintenant, après un film God of War, même s'il est mauvais, il fera déplacer les gens. Tu vois ce que je veux dire? Juste par la notoriété du projet, quoi. Bien sûr. Mais après, ça dépend de la façon dont c'est fait. Tu vois, aussi. Je suis très très méfiant là-dessus, moi. Mm. Surtout Sony, c'est pas les meilleurs, on va dire, au niveau adaptation. Mais c'est ça, moi ce qui me pose problème, c'est qu'en fait, dès le départ, l'idée même du projet est uniquement mercantile, tu vois. Il y a aucune vision d'auteur, il y a aucune vision artistique, c'est on va faire du fric avec le fric qu'on a déjà. C'est Retiens, ça a marché avec Marvel, bon, on va le faire avec nos licences. Mmh, c'est ça, c'est ça. Mais non, ça peut pas fonctionner. Je suis d'accord avec toi. Pas chaud du tout. Voilà, je te laisse la prochaine. Yes, la prochaine c'est Call of Duty. Alors on va faire un combo de news à nouveau. Parce que du coup j'ai une autre info depuis que j'ai rédigé le conducteur. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, en théorie, le Call of Duty. Alors, déjà pour ceux qui ne le savent pas tout court, Call of Duty c'est une franchise annualisée, ça je pense que vous le savez. Avec trois studios qui bossent en fait en triennale. C'est-à-dire, Treyarch fait un jeu, Black Ops 4. Ensuite, Infinity Ward fait un jeu qui est censé sortir cette année, le 2019. Et ensuite, c'est Sledgehammer l'année suivante qui fait un jeu. Ce qui laisse 3 ans à Treyarch pour faire le suivant et ainsi de suite. Donc l'idée est bonne, hein, ça permet de laisser un petit peu de latitude à chaque studio pour bosser 3 ans sur un nouveau. Jusque-là, ok. Maintenant, Call of Duty a 15 ans, 13 ans, 13 ou 15 ans. Mais dans tous les cas, c'est beaucoup. C'est trop, et c'est à une fréquence que même Assassin's Creed et d'autres ont décidé d'arrêter, quoi, parce que c'était insoutenable. Donc, ça faisait beaucoup, oui. Ce qui se passe, c'est que le Call of Duty de Sledgehammer, donc le 2020, qui aurait dû sortir l'année prochaine, apparemment a un problème interne. Pareil, est-ce qu'il a pas réussi à atteindre le niveau de qualité qui était prévu? C'est pas impossible. Ouais. Et du coup, Activision a décidé de donner la main au meilleur des trois studios, le plus apprécié des fans, c'est Treyarch. Donc il y a de fortes chances qu'on ait un Black Ops 5 en 2020. D'accord. Comme si on n'avait pas assez de Black Ops. Enfin, je te dis franchement, moi le 4, il m'a mais totalement dégoûté. Alors que, en fait, Black Ops, c'était quasiment mes Call of préférés. Le 1, il est mémorable. Ah, c'était cool, hein. Le 2, il était futuriste, mais juste ce qu'il fallait. Le 3, il commençait à être chelou, mais le multi était plutôt correct. Mais la campagne, elle avait ni queue ni tête. Et le 4, il n'y a même plus de campagne. C'est un jeu multi. Ils ont mis un Battle Royale. Le mode zombie est moins bon, quoi. Enfin, je me souviens des premiers modes zombies, c'était vraiment cool, quoi. T'avais vraiment c'est une clair. Ambiance et tout. Là, ça devient n'importe quoi. Même le mode zombie, pourtant. D'habitude, j'achète plus le Call of, tu vois, pour le mode zombie. Moi j'adore ça. Ouais. Bah, c'est vrai qu'il y en a qui adorent. Hein, Moi, ce que je trouve impressionnant, c'est les cerveaux qui s'entraident sur Internet pour résoudre les easter eggs et tous ces trucs-là. C'est mémorable. C'est ouais. Mais là, non. J'ai pas accroché à l'univers. Merci pour tes bites, Loulou. Hein. Des bisous. Merci, Loulou. Arrose-nous de bites. Pas trop fort. Non, pas trop fort. donc c'est... Une fois de plus, Activision est pragmatique. Ils prennent le studio qui cartonne le plus au niveau du box-office et c'est celui-là dont ils ont le plus confiance. Ça s'arrête là. Hein. Mais bon, moi, Call of, je pense qu'il y a longtemps que pareil. J'ai fini par décrocher. Pourtant, j'aimais bien. Hein. J'étais action très nerveuse sur un FPS, j'aimais beaucoup. Mais j'aimais bien les campagnes, en fait, scénarisées. Et tu vois, beaucoup le multi aussi, mais c'est vrai que c'était plus les campagnes. Tu vois. Puis j'aimais bien avoir mon Call of. Ah bah tiens, ça, c'est la campagne de cette année. Je trouvais ça cool. Cette année, même pas de campagne, rien du tout. Pauvre mode d'entraînement. C'est ça. Ouais. Donc Black Ops 5, probablement 2020. Point d'interrogation sur son contenu. On n'a aucune info. Est-ce qu'il y aura une campagne? Est-ce qu'il y aura que du multi? Est-ce qu'ils vont refaire un Battle Royale? On n'en sait rien du tout. Et on vient d'apprendre que donc l'épisode 2019, qui va être probablement présenté à l'E3, qui est développé par Infinity Ward et qui est à 99% un Modern Warfare. Oui.
donc Modern Warfare 4, hypothétiquement, va s'appeler en fait Modern Warfare, tout court. Histoire, une fois de plus, de bien embrouiller tout le monde, quoi. Faut qu'ils arrêtent avec le nommage comme ça, complètement débile. Hitman l'a fait. Hitman a rebooté son nom pour faire des saisons ensuite. Pourquoi? Et puis ils comprennent pas que ça fonctionne pas en fait et que ça sert à rien. Parce que tout le monde va croire, et sur Google en cherchant, on va tomber sur Modern Warfare 1. Ah oui, bien sûr. Non mais c'est Activision, qu'est-ce que voilà. Je te dis, ça ne me surprend pas. Mais... Non, moi non plus. Mais ouais, mais je... bon, moi de toute façon, je t'avoue, les Call of, ouais. Ça bah moi en général, Activision, hein. S'il y a deux éditeurs que j'ai complètement décroché, c'est EA et Activision. Pour leur façon de faire, pour les jeux finalement, qui sont quasiment tous décevants. Et surtout pour leur façon de faire, quoi. Je crois que c'est les deux éditeurs qui me font le plus hérisser le poil. Ah, les méthodes sont pas très nobles. Enfin, le peu de poil qui me reste. on okay. Repasse sur du ciné, du coup, pour toi, ma poule. Bon, oui. Mortal Kombat a enfin une date de sortie. Il sortira donc en mars 2021. Mmh. Il est produit par James Wan. Le réalisateur de Conjuring. Moi j'aime bien ce gars-là. C'est un bon. Alors, producteur, je sais pas ce qu'il va donner, mais en réalisateur, il est plutôt bon. On ne sait pas encore quid. Est-ce que Christophe Lambert va revenir ou pas? Oh, je pense. Moi j'y crois. J'y crois, je me dis qu'il va accepter, il va revenir. Et après, est-ce que ça va être un total reboot? On ne sait pas non plus. Alors, c'est le troisième film Mortal Kombat. Hein, donc, il y a eu deux films, 95 et 97. Il y a eu le premier qui avait été réalisé par le gars qui a fait les Resident Evil, qui était une catastrophe, on va dire. Enfin, le 2, c'était le pire. Le deuxième, c'était, il n'y avait plus rien. Tu te demandais pourquoi ils avaient fait le film. Ouais, c'est clair. Exploitation et donc, bête et méchante, hein. Il sera donc réalisé par, je cherchais le nom du réalisateur, je l'avais perdu, c'est Simon McCoy, spécialisé dans la réalisation des spots publicitaires. D'accord. Voilà, et ça sera son premier long métrage. Oula. Donc, point d'interrogation, ouais. Filmé à l'Adelaide Studio, bénéficiant d'un script rédigé par Greg Russo, également sur le reboot de Resident Evil. Mortal Kombat sortira en 2021. Voilà. Alors, avec Joel Egerton. Ah. Il paraît que c'est le projet d'Australie le plus ambitieux. Oui. Oui, c'est ce que j'avais lu. Mais James Watt, c'est le deuxième, je crois, puisque c'est lui aussi qui va s'occuper du Mortal Kombat. Ou alors, c'est le... Je sais plus. Mais ils sont en train de rebooter un petit peu tout ça. Mortal Kombat, j'y crois. Resident Evil, moins. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Ils font la même chose avec Resident Evil, et là, je trouve ça... ouais. Resident Evil, c'est casse-gueule, parce qu'il y a un vrai ton, tu vois, il y a une ambiance, tu peux pas trop aller dans le... Façon, mais Mortal Kombat, façon, c'est déjà un nanar, selon moi, donc... oui, si à la c'est base, bien c'est pas... fait et assumé, ça peut que être bien. Hein. le deuxième était... pour moi, ils étaient vraiment partis trop loin. Ils ont vraiment... Mais le premier était plutôt cool, hein. C'était une adaptation de Mortal Kombat. Est-ce que tu as vu le Mortal Kombat en animation? Il y a eu un film Mortal Kombat uniquement en animation 3D. C'est quelque chose. Mes yeux ont souffre encore. Ah mais, attends, est-ce que je peux vous trouver un extrait, genre d'un combat? C'est les balbutiements de la 3D, mais qu'est-ce que c'était bon. Ah oui, 3D. En plus, ils te mélangeaient la 3D, un dessin animé 2D, mais dégueulasse. C'est ça. Ça n'avait aucun sens. Ça marchait pas, ça ne fonctionnait pas. Et, je l'ai trouvé. Mortal Kombat The Journey Begins, 1995. Ah, c'est ça. Oh là 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 là. Attention les yeux, ça pique. Ils avaient sorti ça en cassette, je me souviens. Oui, VHS. Ah, ils avaient honte de le passer en salle, quoi, mais... Ah oui, ils se sont dit non, quand même, on va pas aller jusque-là. Et non, c'est pas un jeu indépendant à deux sous, c'est un blockbuster américain, là, que vous voyez à l'écran. Hein. C'était pour la promo du premier film. Oui, exact. Ils avaient fait ça pour la promo du premier film. Non, mais sans déconner. Et oui, pour en revenir deux secondes à Resident Evil, pour moi, le seul qui aurait pu adapter correctement Resident Evil, c'était Romero. Ah oui, voilà. Oui, clairement. Ouais, c'est clair que lui, il avait la carrure il pour était le prévu, faire. Hein. Au départ, il était prévu, hein. Mais ils ont dit non, non. En fait, il faisait du Romero. Et les producteurs, ils ont dit non, non, il faut prendre un plus un Yes Man ou un mec qui... Et donc, on a eu les Resident Evil qu'on a eu.
Mais je pense que ça aurait été Romero, on aurait eu autre chose. Ah, mais Romero a inventé les zombies, donc... Bien sûr. Bah, et puis c'était logique qu'il l'adapte. Dommage. Après, bon, hein, il est encore vivant, hein, mais il faut qu'il se dépêche, hein, j'ai envie de dire. On dirait deux papilles paralytiques qui... qui essayent de s'affronter, c'est très bizarre. Ah ouais, mais c'est... Et t'as des erreurs de... Enfin, à un moment donné, t'as l'épaule qui lui rentre dans la clavicule, enfin, c'est... Il n'y avait pas de motion capture à cette époque, c'est ça qu'il faut savoir. Hein. Tout était animé à la main, image par image, en fait. Oh, la pauvre Scorpion, pauvre Sub-Zero. C'est quand même... Oh, la chute. Oh, la chute. Oh, la cascade. Oh, les yeux, en plus. Mais à un moment donné, il y a un monstre à t'en voir. Faut que je retrouve la scène où il y a un genre de... Je sais plus quel perso c'est, mais c'est genre un démon... C'est pas Reptile. Si, je crois que c'est ça. Oui, il y a Reptile. Ah oui, ah, le Reptile est bien aussi. Reptile, Fight, Mortal, Combat, CG. Faut que je le trouve, celui-là. Je suis nostalgique, alors là, par contre, c'est pas la meilleure période, hein, celle-là. Ah non, là, on parle vraiment dans les bas-fonds du nanar, mais qu'est-ce que c'est bon. Ah, je le trouve plus. Attends, si je tape The Journey Begin, on va peut-être trouver Reptile Fight. The Journey Begin. Liu Kang versus... Non, ça c'est du film. Scorpion versus Sub-Zero, ça on vient de le regarder. Mais tu parles peut-être du film, hein, parce que le monstre, quand le reptile, il s'est... Il est pas terrible, hein. Non, dans le film, effectivement, je me souviens qu'il est pas terrible, mais il est encore pire dans le dessin animé, non. En fait. Regarde-moi cette 2D, quoi. Non, mais franchement, je vois les photos, mais c'est... Ouais. Bah, en fait, ça ressemblait à toutes ces séries G.I. Joe, tu sais, qui étaient ultra cheap. Ah non, c'est pire. C'est... Oui, ah, c'est, pire. C'est encore pire. Hein. Y a rien, là. Y a pas de cohérence. Y a rien, ça fonctionne pas. Ah, c'est quelque chose. Oh là là. Et moi, je l'avais acheté, en plus. C'était une pub, hein, c'était... Mais c'est ça, mais je l'avais acheté, en plus je peux être coupable. J'avais été voir le film, j'avais dit, oh, allez, je vais prendre la cassette. Tu sais que, tu sais, je t'avais expliqué que j'avais vendu toute ma collection de DVD et gardé toute ma collection de VHS. Le truc illogique, quoi. Et j'ai la VHS originale encore de ce film. Bien. Qui avait été offert dans un magazine de jeux vidéo, en cadeau. Mais je ne sais plus quel magazine. Bon, il voulait sûrement pas se faire beaucoup de pub, parce que... Ça devait être un partenariat... Non, c'était pas Console Plus. Ou Joypad. Player One, je crois. Je crois que c'était Player One. Moi, je me souviens de l'avoir acheté dans un magasin. Je l'ai payé, quoi. C'est pire. Oui. C'est pire. Ouais, bien sûr, tout le monde a fait des vidéos rigolotes dessus. Hein. Benzaï, le joueur du grenier, je crois. Angry Video Game Nerd, etc., etc. Oh là là. Voilà. Bah écoute, date de sortie, donc mars 2021 pour le film. Ouais. Voilà. Mais produit par James Wan, quand même, j'ai un petit espoir. Non, non, point d'interrogation pour celui-là à venir. J'attends de voir. Mm. Je critique pas parce que c'est un bon, et s'il produit, c'est qu'il sait qu'il peut en faire quelque chose. Et bonsoir Stéphane Groskiff, bienvenue à toi. Et Romain Paris aussi qui nous a rejoint sur bonsoir Facebook. Bonsoir à vous. Et bonsoir Vincent Schmitt. Et Olivier... Forster, Nico Bala et tous ceux qui nous ont rejoints depuis le début de la soirée. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? On a presque fini. Oui. Il reste deux news. Je vais te les laisser, les deux dernières. Ah ben, alors, c'est juste la sortie de Bataillon 1944. Je vais pas beaucoup en parler parce qu'en fait, vous avez la VOD du live que j'ai fait hier soir sur Renegades où du coup, je vous présente le jeu. Donc, vous regardez sur le live de Rage 2. J'ai fait 2 heures de Rage 2. Et à la fin, j'ai fait 3 quarts d'heure de Bataillon. En fait, c'est tout simplement, pour résumer, vous prenez Call of Duty 3, le compétitif, parce que c'est le premier qui a fait vraiment une scène, on va pas appeler ça e-sport, mais le multi du 3 était vraiment apprécié. Et a été, je crois, modé pour en faire vraiment un mode, on va dire, pseudo e-sport. Et en fait, ce jeu-là, c'est basé sur un Kickstarter qui était en accès anticipé pendant 1 an. Et du coup, qui se veut être en fait le successeur spirituel de Code 3. Voilà. Okay. Donc, le feeling des armes, c'est vraiment Call of Duty.
ça tombe très vite, c'est pas réaliste, c'est-à-dire tu peux sauter et tirer en même temps, d'ailleurs vaut mieux le faire, à chaque fois que tu passes un angle de mur, il faut faire, tu sais, le saut du lapin, ou te coucher, ah oui. Faire le saut du dauphin, comme on appelle ça, ça marche très bien. Okay. Les snipers sont ultra efficaces pour faire des no-scopes, enfin, tous les trucs un petit peu foufou que vous faisiez dans les premiers Call of, vous pouvez le faire là-dessus. Graphisme revu du coup au goût du jour. Et pour cette version 1.0, c'était pas le cas l'année dernière quand il est sorti en Early Access, ils ont intégré la plateforme FaceIt. C'est en fait une plateforme slash site web pour l'e-sport. Ouais, c'est ça. Tu te crées un compte dessus, d'ailleurs le jeu te permet de le faire en interne, et tu as du coup tout. T'as ton score, tu peux te comparer à d'autres joueurs, tu peux organiser des tournois, tu peux voir ton ratio, tu peux mettre une photo de profil, tu vois, t'as un petit réseau social. C'est une bonne idée. Ouais, c'est vraiment bien, parce que autant des gros studios qui font des FPS AAA, ils ont pas besoin de ça, que là, un petit studio, entre bidouiller un matchmaking, tu vois, pourri, avec des serveurs pourris et une interface de merde, et s'associer à un truc de qualité qui existe déjà, eh ben, mieux vaut choisir cette option-là, je pense. Non, mais c'est plutôt cool, ouais, ce qu'ils ont fait. Ok. Donc voilà, il y a la VOD de hier soir. Oh là, je suis en train de passer sur un autre live. Si vous êtes curieux, et le jeu est sur Steam. Alors, je saurais plus vous dire le prix. Attendez, je vais vous dire ça. 1944. Je crois que c'est 17€ ou quelque chose. C'est moins de 20€, hein, il me semble. Et ils ont baissé de 20% pour la sortie, histoire d'inciter les gens. Alors, 15,99. Ok. Donc ouais, c'est vraiment intéressant selon moi. Pareil, je vous mets le lien si vous êtes motivé. Hey, bonsoir Étienne, l'ami Rakam de ingame.fr. Avec ton hashtag hashtag gamergirl. je le charrie, il sait de quoi je parle. Il a posté une photo d'une édition collector de Total War, là c'est le tout dernier qui vient de sortir. Donc magnifique, ouais. Édition collector, hein, faut dire ce qui est. Et du coup il a mis des hashtags, tu sais, comme c'était sur Instagram. Et il a mis, donc tous les hashtags correspondaient plutôt à la photo, tu vois, genre hashtag Total War, hashtag collector, hashtag gaming. Et à un moment donné il a mis hashtag gamer girl. Et là du coup il y a une copine slash collègue à lui qui lui fait pourquoi t'as mis ce hashtag? Et il voulait pas lui répondre, tu sais, moi je marque bah, parce que ça va faire venir plein de mecs qui ont la dalle et qui vont penser que c'est une photo de waifu, quoi. Oui. Marketing 101, tu vois, les bases. Exact. Ah oui, c'est pas mal, ça. Je vais le noter. T'as vu ça, j'étale ça sur la place publique. Ouais. Comme ça, t'es shitlisté, Étienne. Ouais, ça, c'est une bonne idée, tu vois. Je vais peut-être leur piquer. Mais ça marche, hein. Ouais. N'hésite pas, dans tes titres de vidéo et de live, de mettre Gamer Girl, hein. Tu verras. Et par contre les perruques me vont pas, donc on s'arrêtera au hashtag. Oh. De nos jours, tu sais, il y a plus besoin de cheveux longs, hein, pour être une femme. Boule à zéro, cheveux bleus, cheveux. Ouais, du coup, la dernière petite news que j'ai chopée juste avant de lancer le live, c'est Bohemia, les créateurs de Arma, le jeu de le FPS, on va dire simulation militaire ultra réaliste, qui donc a fait plein d'extensions, hein, ces derniers mois depuis que le 3 est sorti. T'as une extension qui s'appelle Zeus qui te permet d'être maître de jeu, c'est d'organiser des missions en temps réel. T'as une extension qui rajoute des hélicoptères, une extension qui rajoute enfin plein de trucs. Et donc la dernière en date s'appelle Contact et il y a des extraterrestres qui se pointent. Ok. Donc les gars sont partis très loin. À l'ouest, complètement. D'accord. À l'ouest. Ah oui. C'est. Arma 3, tu penses pas à Alien quand tu penses à Arma 3. Ah bah c'est le jeu le plus ancré dans le réalisme oui. Qu'on a jamais. C'est un tout petit peu futuriste, ils l'ont dit, hein, pour s'exonérer, tu sais, des modèles d'armes qui existent et avoir des problèmes de droits, de licence. Ils ont fait un jeu qui est, je saurais plus dire, mais je crois que c'est en 2030, tu sais, au 2025, ouais. À peine dans le futur. Mais de là à balancer des extraterrestres... Ça fait un peu beaucoup. Après, en toute sincérité, si c'est bien fait, tu vois, s'ils prennent le délire du « oui, il y a des extraterrestres, mais toi, tu restes un Marines qui fait juste son job », eh ben, ce serait finalement une des seules campagnes réalistes, contemporaines, mais où tu dois affronter une invasion extraterrestre, mais de manière, tu vois, réaliste.
Ah oui, s'ils gardent le gameplay réaliste, oui, ça peut, c'est cool, au contraire. Parce que dites-vous que, et c'est pas des conneries, il y a des troupes militaires qui s'entraînent dans la vraie vie pour de potentielles invasions extraterrestres. Hein. Donc, t'as même des unités du gouvernement, etc., un peu partout, qui sont concentrées que sur ça. Dans tous les pays, t'en as. Hein, ouais, tout à fait. Donc, pourquoi pas, franchement. Ouais, ok. Au début, j'ai fait, hein ? Comment ? Bah, je t'avoue que oui, moi, quand j'ai vu la news, j'ai fait, ouais. Je me suis dit, ils ont complètement pété un câble. Ils ont peut-être plus assez de joueurs et ils veulent trouver... Bon, dans ce cas-là, ils auraient fait un Battle Royale, remarque, mais... oui, quand t'as plus de joueurs, Battle Royale. C'est ça. Ça fonctionne. Ok. Mais moi, j'ai beaucoup de respect pour Bohemia parce que, bah, déjà, c'est un moteur fait maison. Ils ont Arma depuis la nuit des temps, hein, et je crois Opération Flashpoint avant ça. Je crois que c'était eux aussi. Et le fait qu'ils aient donné la main, tu vois, du moteur aux gens, c'est-à-dire t'as, comme le Unreal Engine, tu as une vraie plateforme de développement basée sur Arma, et du coup, ils ont un incubateur de studio où ils proposent du coup aux développeurs indépendants d'être encadrés pour développer des jeux sur le moteur d'Arma, en fait. Ok. Alors ça, c'est pas un de ces projets-là, ça s'est fait vraiment en interne par Bohemia, mais il y a un autre jeu qui s'appelle Arma Apex, je crois. Oui, tu nous en avais parlé. Voilà, et bah ça, c'est fait par des joueurs, en fait. Mais par contre, tu vois, je vois la vidéo, l'ambiance a l'air plutôt cool. Hein. Ah mais oui, c'est super bien fait. J'avais peur, tu sais, que ce soit la big invasion et tout, mais non, c'est plutôt sympa. Non, c'est pas à la Independence Day, c'est vraiment sérieux, c'est... qu'est-ce que des vrais militaires feraient s'il y avait ces circonstances, quoi. Ouais, dans ce cas-là, c'est plutôt intéressant. Écoute, moi j'ai déjà le jeu de base, je pense que je couvrirai le truc. Ça m'a... Ah bah, je le garderai. Ça m'a titillé, moi, ma curiosité. Oui. Donc, 25 juillet. Ok. Bah, dans 2 mois, hein, jour pour jour. On reviendra là-dessus, du coup. Et puis, c'est tout. Nous avons terminé les news, messieurs, dames. Yes. Après, pour le reste des news, on couvre pas tout. Pour la bonne et simple raison que déjà, ça fait un peu de la redite par rapport aux news à l'écrit qui sont publiées toute la semaine sur Renegades et sur Tuya. Mais bon, on sait qu'il y a aussi des gens qui aiment pas forcément lire ou qui, la semaine, bossent et ont pas le temps. Et du coup, ça fait une petite récap un petit peu des gros trucs de la semaine. Voilà. Mais... pour tout ce que vous avez manqué, autre de ce qu'on a couvert, vous avez juste à descendre en dessous, hein, de là où on est, en théorie. Bon, sauf si vous êtes sur Twitch, là, vous aurez rien en dessous. on va se faire une petite pause. Ouais. Et puis ensuite, on va passer un quiz. Pas de soucis. Et j'aurai la chronique, si tu veux que... Est-ce que tu veux la faire tout de suite ou après la pause? Bah non, tu sais quoi, petite pause et on la fait juste après. Après la pause, c'est ce que j'allais te dire. Y a pas de problème. Ça me va très bien. Et bah, okay. Messieurs, dames, à dans 5 minutes. Bon à café. Dans 5 minutes. Toi aussi.
Et on est de retour. Heureux. Heureux. Heureux, heureux, heureux. Heureux les invités au repas du Seigneur. Oh là là, c'est des vieux restes de la, ah ma oui. communion. Ouais, ouais. Oh là là, oh là là. Bon. La chronique. Alors du coup, est-ce qu'elle a un nom ta chronique, tiens? C'est comme si c'était une première. Elle a même que la dernière fois. T'as appelé c'est ça comment? On se fait une toile. Ah oui, on se fait une toile, c'est bien ça. Enfin, suis un petit peu. Excuse-moi, je suis tellement overburné d'informations que ça sort par les oreilles presque. Oula. Ouais. Donc on se fait une toile. Donc je vais vous parler d'un acteur plutôt sympathique, d'un bon plan et puis du film de la semaine du coup. Alors l'acteur sympathique de la semaine, eh bien c'est Bill Murray, donc qui était récemment à Cannes, qui a passé quelques jours à Nantes, du coup en vacances avec sa famille. Alors je vais t'envoyer les liens par Discord. Ouais. Voilà. Tac. Donc la première photo, c'est Bill Murray qui s'est rendu tranquillement chez un glacier. La patronne l'a reconnue. Effectivement, elle était fan de ciné, donc elle s'est dit bon, je vais quand même essayer de l'aborder pour discuter avec lui. Pas de souci. Il a pris une petite photo. Ah, je pense qu'il est accessible, le gars. Bill Murray, c'est vraiment, il est génial. Ce gars est génial. Et pour le d'ailleurs, c'est assez drôle, mais lui, pour le contacter, quand tu veux faire un film avec lui, c'est simple. Il a pas de téléphone portable. Il a pas internet. Tu envoies un tweet. Ah oui, d'accord. Ok. Il a un fixe. Il est au fin fond des bois. Il a une baraque, mais qui est vraiment éloigné de tout, et il a dit bah, on m'appelle sur le fixe, on me pitch le film tout de suite au téléphone. Je pense que c'est un original quoi, hein. Ça se voit, c'est, hein, ça. C'est... Et alors la deuxième photo donc c'est chez un viticulteur, il accompagnait donc une personne qui lui faisait goûter un petit peu, tu vois, les vins de la région, ouais. Etc. Et du coup le viticulteur, donc c'était son anniversaire, et il s'est aperçu quand même que Bill Murray était donc venu à son anniversaire pour goûter son vin. Il était pas au courant en fait. Il savait qu'un Américain devait venir goûter un petit peu tout ça. Il savait pas qui c'était. Pour lui c'était une personne lambda. Et excellent. Il s'est retrouvé avec Bill Murray. Donc voilà. Mais tu sais quoi, je sais pas si je le reconnaîtrais en fait tout de suite. Parce que il a vieilli, on est d'accord, tu vois. Bon après il a vraiment un visage bien à lui, hein, tu vois, mais comme ça de manière casu dans un endroit où dans ta tête jamais tu vas croiser une célébrité, tu peux là, douter. Tu vois, je vois la photo, je dis oui, je l'aurais reconnu, mais la voir là et tu vois. Mais voilà, parce que là c'est sur l'article, etc. Ouais. Mais tu vas pas penser à Bill Murray, quoi. T'as un mec. Qui après pour la blague, moi je connais un mec sur internet, j'ai plus son nom, qui fait le truc inverse. C'est en fait dès qu'il est dans un McDo, dans un Starbucks et qu'il voit des gens random qui ressemblent un tout petit peu à des personnalités, il tweet leur photo en disant oh regardez, j'ai croisé ce mec là, alors que pas du tout, tu vois. Ça c'est bien aussi. Oui, c'est drôle. Donc voilà pour Bill Murray. Pour cette semaine. Okay. Ensuite, est-ce que je peux donner le nom d'un magasin ou pas? Parce oui. que vu qu'on est sur Aerodegade. Bon, allez. Donc, si vous êtes fan comme moi de comics, je vous conseille d'aller faire un petit tour à Carrefour. Alors, je sais plus si c'est. Ils sont disponibles dans certains Carrefour. Comme on est partenaire avec personne, on fait d'ombre à personne dans Cité 1, tu vois. Mais je demande quand même. Non, mais tu fais bien, tu fais bien. Et donc, il y a une offre hyper intéressante si vous aimez les comics. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Il y a une collection qui s'appelle donc Renaissance, c'est sur les Marvel des années 2000. Ah. Et vous avez par exemple, je vais les montrer, donc il y a Deadpool, il y a Wolverine, il y a Spider-Man. Donc ah c'est ouais. des vrais comics de 200 pages, hein, tu vois. Ouais, c'est des beaux pavés, hein, clairement. Hein. Voilà, et ils sont à 2,99€. Pièce. Waouh. C'est une collection de 10 comics, les stocks sont extrêmement limités. C'est quoi le nom de la collection? C'est Renaissance. La Renaissance. Alors attends, donc, là, Renaissance, comics, c'est du Marvel alors, hein. Voilà, donc après vous avez le Avenger, voilà, je vais les montrer à la caméra, ceux que j'ai récupérés, Iron Man, voilà, et puis Captain America. Voilà. Ah ouais, et la qualité, elle paraît vraiment bien, hein. Ouvre mais voir est... et montre-nous voir la qualité attends. D'impression à l'intérieur. Attends, je vais montrer ça, tac, voilà. Ah ouais. Sur Iron Man. C'est bien. C'est vraiment chouette. Bon, il y a le flou de Skype qui se met, mais oui, bah on ça, voit, on voit vite fait, quoi. Voilà, et puis tu vois, au début, t'as même le descriptif du personnage, tu vois comment il est introduit. D'accord, c'est comics, pas manga, tu vois, papier cul, recyclé, ah, non, tout, tout ça, du quoi. Du tout, du tout. Et franchement, à ce prix-là, il y en a 10. Les stocks sont hyper limités, et à partir de août, ça repasse à 9,99€ le volume.
Oui, donc, qui est un prix plus standard correct, bah, quoi. Plus logique. Ouais. Donc, les stocks sont très limités. Donc, si jamais ça vous intéresse, eh ben, n'hésitez pas. Ils sont en ce moment disponibles dans les Carrefour. J'ai vu ça, j'ai dit, je vais en parler quand même, parce que c'est plutôt un bon plan. Ça. Chacun de ces 10 albums de 240 pages jusqu'au 31 août. Ouais. Et après, ça repasse. Waouh. Donc, on a Avenger, Black Panther, Black Widow, Captain America, Deadpool, Iron Man, Phoenix, Spider-Man, Wolverine et X-Men. Et vu que c'est en plus une vraie collection, bah quand tu mets les BD les unes après les autres, bah en fait ça te forme un petit dessin. Oh, magnifique. De tous les persos qui... Donc c'est plutôt cool. Excellent. Donc, esprit-là. Et t'as deux histoires par comics. Mm-hmm. Donc, c'est pas forcément les plus marquantes pour certains. Mais si tu veux ne serait-ce que t'initier aux comics ou découvrir un petit peu, et bah à ce prix-là, n'hésitez pas. Ah bah ça super bon plan. Eh, ce soir on en fait des bons plans. Hein. Entre ça, ouais, les 3 jeux ou 4 gratuits là... Et donc le conseil cinéma de la semaine, enfin cinéma mais c'est, ça vient de sortir en Blu-ray il y a quelques jours, donc c'est le film Green Book qui est donc réalisé par Peter Farrelly, donc je vais t'envoyer le lien de la bande-annonce, ouais, voilà, comme ça, tac, sur Discord, hop, et voilà, tu as le lien. Donc Green Book... qui est donc Peter Farrelly, c'est celui avec son frère, tu sais, qui faisait beaucoup de comédies, Food Irene, Marie à tout prix. Oui, oui, je vois, ouais. Et donc il a réalisé Green Book, qui est inspiré d'une histoire vraie. Et donc c'est en 1962. C'est un videur du Bronx, Tony, qui est donc joué par Viggo Mortensen, qui est un acteur que j'aime beaucoup, qui jouait notamment Aragorn dans Seigneur des Anneaux. Oui, bien sûr. Et qui donc il vit dans ce Bronx, des petits boulots, voilà, tu sais, t'as la famille italienne, etc. Ouais, classique. Et on lui propose un job. Il doit en fait transporter un pianiste noir dans le sud pendant la ségrégation pour le protéger, si tu veux, pendant ses concerts, etc. D'accord. Et donc tu vas partir sur les routes, et le Green Book, donc le titre du film en fait, c'est un livre qui existait vraiment à cette époque. Et qui en fait donnait les endroits dans le sud où les blacks avaient le droit d'aller ou pas d'aller. Ah, c'est-à-dire d'accord. Les établissements qui leur étaient interdits ou les établissements qui leur étaient autorisés. Donc ça, c'est le titre du film, le Green Book. C'est fou de se dire que c'est un truc qui est arrivé il y a pas tellement d'années, quoi. Bah, c'est pas si vieux. Regarde, ouais. L'histoire se passe en 62. Et c'est une histoire vraie en plus. C'est ouf. Et donc t'as ce pianiste, donc qui est joué par, alors j'ai un peu de mal à dire son nom, mais je vais quand même essayer. Mahershala Ali. Il jouait notamment dans les 4400. Ah mais oui, sa tête me dit quelque chose, hein, l'acteur. Voilà. Et donc ils vont partir tous les deux sur les routes et ils vont être confrontés, bah, bien sûr, aux personnes du sud, des endroits où il n'a pas le droit de, que ce soit de manger ou de dormir, des toilettes spéciales pour les personnes de couleur parce que les autres sont interdites. Enfin, j'adore la photographie et la colorimétrie. C'est très très beau. Et ce qui est intéressant, c'est que le personnage donc de Donald Shirley, le pianiste. C'est donc quelqu'un qui est très cultivé, si tu veux. Lui, il est pianiste, il est assez reconnu, donc il fait partie du grand monde, tu vois. Et puis tu as Viggo Mortensen qui lui, donc fait partie de du Bronx et donc a été élevé un peu, tu vois, dans les. Lui, il connaît plus la rue. Ouais, à la dure, quoi. Voilà. Et en fait, tout au long du périple, et ben chacun va apporter à l'autre. C'est-à-dire que t'as le personnage donc de Mahershala Ali, pardon. Et ben, il va lui apporter ses connaissances, tu vois, par exemple, comment se tenir en société. Bien sûr. Ouais, ouais. Il va acheter des trucs, ben non, ça, tu peux pas le faire. Ouais, bien séance, politesse, les règles de courtoisie, voilà, tout ça. Bien écrire, il écrit des lettres à sa femme, bah tiens, tu dois écrire comme ça, tu dois écrire. Et puis, à l'inverse, Viggo Mortensen, lui, il va lui apporter de la légèreté. Tu vois, plus de naïveté, légèreté. Je pense que ça peut marcher aussi bien que chez nous, souviens-toi. Tu sais, j'ai plus le nom du film, mais avec... comment il s'appelle Fred et Omar, tu sais. Omar a joué... Omar Sy... Intouchable. Intouchable. Ouais. Avec cette dynamique, tu vois, de deux persos différents qui s'apportent. Il y a cette dynamique, mais là, c'est encore différent. C'est vraiment... c'est tellement bien écrit que... Ça se fluidifie au fur et à mesure au niveau du scénario, en fait. Et vraiment, un apporte à l'autre. Et c'est vraiment une histoire d'amitié qui se construit. Et c'est un road movie, c'est-à-dire il se passe des trucs... C'est un road movie. D'accord, ok. Voilà, ils vont aller de ville en ville, justement, pour ces concerts, jusqu'au dernier qui se passe à Noël, en fait. Mm-hmm. Qui va être l'ultime Green Book, on va dire, qui va leur arriver. Mais t'as toutes ces réactions, etc.
Et puis comment lui, parce que pareil, Viggo Mortensen, c'est un personnage au début qui vit justement dans ces familles italiennes. Mmh. Et à cette époque, les familles italiennes, il y a beaucoup qui étaient racistes. Ah bah oui, forcément. Le dialogue au début entre des personnes de sa famille, voilà, c'est un peu ça. Et puis lui, du coup, est aussi de ce côté-là, mais si tu veux, c'est plus par suivi du reste de sa famille, tu vois, c'est pas lui spécialement. Oui, c'est ça, on lui a inculqué ses valeurs gosses, donc voilà. Il fait comme tout le monde, quoi, en gros, quoi. Et en fait, en faisant ce road trip, eh ben, il va découvrir des choses, il va comprendre des choses. Et je trouve que c'est admirablement bien mis en scène. Ils ont eu quand même l'Oscar du meilleur film, meilleur acteur dans un second rôle, meilleur scénario, Golden Globe, enfin, il y a eu plein de récompenses. Donc si vous voulez vraiment regarder un film, il est touchant, ce film, vraiment il est touchant, je vous conseille Green Book. Voilà. Là, je parle pas de film de super-héros, on va parler d'un film un peu plus sérieux. C'est bien, parce qu'il faut varier, de toute façon. Hein, exactement. Si on devient fou. Mon conseil de la semaine, c'est Green Book. Voilà. Et bah, voilà. Écoute, c'est noté. Tout. C'est tout pour la petite chronique de la semaine. Et bah, merci à toi pour la petite chronique. Mais de rien. Non, elle était bien sympathique. Et franchement, tu sais, moi qui suis pas justement blockbuster, je cherche vraiment des films, tu sais, soit d'auteur, soit avec des thèmes qui me parlent. Et... tu me l'as vendu. Tu sais quoi, je vais le mater cet été. Obligatoirement, je vais me le faire. Tu seras pas déçu. Tu seras pas déçu. Donc voilà. Ça marche. Et bah écoute, je te remercie pour une petite chronique ciné. En espérant que ça vous a servi aussi, de vous conseiller. Oui. De toute façon, avec cet été, il va y avoir des. Je pense plein de trucs qui vont être recommandables ou à recommander entre les gens qui vont avoir rien à faire ou. Je pense que cet été, justement, je partirai peut-être sur des films un peu plus. Pas forcément des gros blockbusters, tu vois, des films un peu moins. Avec plaisir. Moins connus, mais justement pour partager un peu plus ça. Il n'y a pas de problème. Connaître. Voilà. Merci à toi, Mondaros. Mais de rien. Eh bien, écoutez, on va se terminer tout ça. Avec un petit quiz. Mais comme je sais pas s'il y a encore beaucoup de viewers présents, etc., on va faire un quiz en fait où n'importe qui peut jouer avec et du coup où moi je vais jouer aussi. Voilà. Oh, cool. Donc ça s'appelle Geek Mind. Ok. Et c'est un quiz apparemment en tout genre. C'est pas que jeux vidéo, ça semble être geek en tout genre. D'accord. Alors, level 1. Je vais mettre ça en full screen. Voilà. Donc le but du jeu, c'est à nouveau trouver le nom du jeu. Exactement comme on avait fait. Ouais. Bon, j'aurai un petit décal. Ah, bah ça, c'est. C'est le jeu Nintendo, ça. Alors, est-ce que je peux baisser le son? Attendez. Je vais carrément couper le son de l'onglet. Voilà. Parce que sinon, il y a la musique du mode. Mais le loup, j'étais sûr qu'il allait le trouver. Ah oui, c'est Kid Icarus, facile. Yes! Alors, bien à chaque fois, on a une minute. Non, 43 secondes. Ça, c'est un jeu de. C'est Wii Golf, non? Wii Sport? Attends, j'ai un petit décalage. C'est pas Wii Golf, Wii Sport? Ah non, c'est Wii. C'est Wii Sport, c'est Sport. Ça. C'est Wii Sport. Alors, niveau 3. Oh là là. Je fais un petit F5. Ah, ça me dit quelque chose. C'est un jeu de plateforme tout basique. C'est pas. VVVVV? Ah, peut-être. Non. Oh merde. Attends, il y a des. Alors, an indie game turned iPhone sensation. Et avec une super BO. Donc, un jeu indé qui est devenu une sensation sur iPhone. Avec une chouette BO. Alors là. Ouah, je vois pas du tout. Bah, skip. Attends, j'attends parce que je suis curieux de voir ce que c'est. Est-ce qu'on a la réponse si on trouve pas? Oh, pense. Merde, on se tape un game over. On se tape un game over quand on trouve pas. Salopard. Attends, du coup, on peut recommencer, j'imagine. Je vais vous mettre le lien aussi dans le chat si vous voulez éventuellement jouer de votre côté, n'hésitez pas. Bah viens sur Twitch, c'est ce qu'il y a de mieux, si tu veux. Bah je suis sur Twitch d'accord. Et je fais le 5 et tu vois j'ai un décalage. Alors ça c'est Megaman. Oui. Alors, Zelda. Bah c'est celui-là qu'ils vont remasteriser, je crois. Ah bah A Link to the... Non, c'est pas ça. Non, Link c'est... Awakening. C'est Awakening. Ça. C'est la version Game Boy. J'adorais celui-là.
Comment t'es... Attends, c'est Link's Awakening? Oui. Il l'a pas pris. Bah, attends, je vérifie l'orthographe, mais normalement c'est ça. C'est ça, Link's Awakening. Attends, il veut peut-être The... Les... Putain, The Legend of Zelda. Bah... Je te le mets dans le Twitch, mais c'est ça. Bah, je comprends la pas, là. Sans le A. Ah oui, t'as mis un A à Awakening. Mais effectivement, il n'y a pas le A. Où ça? Ah bah non, game over. Alors là, je comprends pas. En toute sincérité, I don't understand. C'est bizarre, il a pas voulu qu'on gagne. Bon, c'est sûr, c'était ça. Ah, John marque sans le E. Non, c'est Awakening, normalement. Bon, mystère. C'est pas grave, on recommence. Bah, du coup, c'est 8 sports, le premier. Oh la vache. On va y arriver à force. Oui, bah quand même, oui. Bah, c'est... Bon, ça, c'est Pong. C'est bien. Allez, qu'on aille au moins jusqu'au niveau 10, qu'on voit que notre cerveau commun arrive à faire ça. Super Mario 3. Moi, je viens d'arriver sur Super Mario. Oula. Ah, oui. Avec une saucisse. Une saucisse et des hamburgers, on dirait un jeu Atari 2600. Ah, c'est pas Burger quelque chose? Burger Town? Burger... Burger Time en un mot? Ah, c'est ça! Putain, quel cerveau! Oh la vache! Comment hey, rétro gaming, les gars, rétro gaming! Ah bah oui, c'est... Ah, oh, j'ai le nom en japonais. Qui a un remaster Phoenix, récent. Phoenix Wright. Phoenix Wright, merci. Ah oui, j'ai adoré ces jeux-là. Il y a le remaster de la trilogie complète qui est sorti, et à bas prix en oui. plus. Oui, mais je vais sûrement les refaire. Batman Arkham, je dirais. Armam. La question, c'est quel? J'y suis pas, je te le dirai tout de suite. Asylum? Non, c'est le deuxième. C'était comment le deuxième? Ah si, c'est Asylum. C'est Asylum? Ouais, ouais. Il me semblait bien, la scène me disait vrai, quelque chose. Ah bah ça, c'est Lego Batman. Mais alors lequel? J'espère qu'ils ne demandent pas lequel. Ah bah c'est bon, ils ont accepté juste Lego Batman. Ils étaient sympas. Bon bah ça, grand classique. Hein. Attends, je refais un F5. GoldenEye. Alors la difficulté augmente apparemment. Limbo. Yes. Niveau 10. Oula. Alors ça c'est un Pixar, mais alors lequel? Là faut attends, que tu m'aides, Daros, c'est du ciné, bah, donc... J'essaie de venir, c'est que j'ai le décalage, ça fait plusieurs fois que je fais F5 et je suis en décalé à mort. Attends. Ah, c'est les Indestructibles. Indestructibles. Et c'est peut-être le jeu Disney Infinity aussi. Ouais, parce que ça passe pas. Alors Disney, bah, Disney Infinity. Non, il le prend pas. Ah ouais? Bah pourtant c'est bien les Indestructibles. Bah oui oui, le loup il le dit, oui c'est ça. Les Indestructibles. J'ai pas fait de faute d'orthographe si, non? Bah non, non, non. The Indestructibles. Bah merde. Bah c'est, de toute façon c'était que ça ou Disney Infinity. Bouh, game over. Dommage. Putain. Bon, on s'en refait un petit. On s'en allez. Refait un petit. Allez, allez. Ah, il veut que je me fasse un compte pour mettre en plein écran. Ah non, tant pis, je me ferai pas de compte. Ah bah voilà, je peux zoomer, je peux tricher. Allez, c'est parti. Alors ça, c'est Où est Charlie? Mais alors, le nom original? Parce que je pense pas qu'ils vont accepter la version française. Je pense pas. Non, il le prend pas, bien sûr. Ah, comment il s'appelle? Alors ouais, mais ça c'est en français, le loup. Il a un autre prénom. Where is Waldo? C'est ça, c'est Waldo. Ah, Waldo, oui. Putain, je le cherchais, moi. What? Attends, il veut le point d'interrogation? Non. Attends, hint, indice. Where is he?
Attention, mais peut-être juste Waldo? Mais... où est-il? Où est-il? Ah, je comprends pas. On va être skip, hein. On peut skipper, apparemment. Oui, vaut mieux. Oh, merde! Vite! Oh, yes, j'ai eu le temps à une seconde. On reprend 10 secondes. Vite, vite, vite. Flower? Yes. On reprend 10 secondes. GoldenEye. Oh, désolé, là, je fais vite, hein, mais c'est pour qu'on reprenne quelques secondes. Non, mais vas-y, c'est que moi, j'ai... il est revenu à Lego Batman, donc je sais pas ce qu'il a mon Twitch, mais il est bien, là. Il est en PLS. Bah, essaye Facebook, hein, peut-être. En ce moment, Facebook a très peu de décalage. Comme nous, on est level up chez... Non, mais tu sais ce que je vais faire, je vais essayer l'application Facebook. J'ai l'impression que ça marche mieux que via le navigateur. Ah, zut. Faut que vous m'aidiez, j'ai un trou. Je sais, j'ai toujours un trou, mais là... Ouais, on en a tous un, mais... Double dragon, purée. Ah, là, j'ai moins de décalage. C'est une blague? Attends. Fallout? Il veut un chiffre? 4? Oula, c'est pas Fallout. Qu'est-ce que c'est que cette blague? 2? Essayez voir Fallout Shelter. Hein? Ah, peut-être. Ouais, pas bête. Non, c'est pas ça. New Vegas? Bon, après... Attends, c'est une blague? Il nous met le mec de Fallout et... J'ai pas reconnu, en tout cas, le menu. Moi non plus. Là, t'as vraiment l'impression d'être sur une carte à jouer. Bizarre. Mmh, allez, bah, par... on s'en fait un dernier. Okay. Pour la route. Ok, ok. Bon, bah ça... Hein. Pac-Man. Difficile de ne pas savoir. Bah là, oui, quand même. À nouveau, double dragon. Yo, chou-fleur. Salut, chou-fleur. À nouveau, flower. Bon, c'est cool, ça va. La base de données, elle doit être tout petite, en fait. Oui, je pense qu'ils ont pas grand-chose. Hein. sauf que j'arrive plus à taper. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Il reconnaît plus. Ah, c'est bon. On avait une bonne avance en temps, on a tout perdu. Tu vas y arriver. Vas-y, on croit en toi. Ouah, ça c'est pareil, Atari 2600. Ah, Pitfall. Pitfall, merci. Le reboot sur Super Nintendo, il est magnifique, fait avec Disney d'ailleurs. Oui. Oh merde, c'est le même. Fallout. Bah attends, on va tout essayer. Fallout tout court, ça marche pas. Fallout 1. Attends, on va prendre l'indice. Survive in the wasteland after escaping from the vault. Bah oui, c'est Fallout. Oui. Fallout 3. Ah, c'était Fallout 3. Oh là là. Mais quel con. Mais ça, c'est traître, hein, de mettre juste l'image du... Ouais. Bah, Phoenix Wright. Ouais. Ok. Allez, 48 secondes, level 7. Lego Batman. Oui, la base de données, elle est tout petite, j'ai l'impression. Oui, c'est... c'est bien, comme ça, tu repères. Je dirais que c'est le 2, yes. Oui. Difficulté up. Oh, j'y ai joué à celui-là. Où tu dois écrire des mots, tu sais. Scribble note. C'est ça, merci. Ça va, j'ai moins de décalage. Donc ah oui, là t'es bien, hein, j'ai l'impression que t'es à 2-3 secondes. Grand ouais, maximum. Ça va. Bon, c'est un street, mais alors lequel? 5, 4, 4, on va essayer. Oui, yes. Le Blanca du 5, il a plus de poils. Ouais. Oui, oui. Encore un street. Bah, 2, je dirais. Yes. C'est le 2. On est bon, là. Level 12, 1 minute. Ça, c'est la pochette de Diablo, non? Oui, oui, c'est Diablo 2. Yes. Level 13, qui porte soit bonheur, soit malheur. Alors, c'est un Zelda. C'est le Zelda adoré de tout le monde sur N64. Putain, je vais quand même pas l'oublier maintenant. Time. Il y a Time dedans. Là, je suis sûr que Lelou ou John vont trouver parce que. Mais oui, je l'ai sur le bout de la langue, mais. OOT? OOT. Ocarina of Time. Ocarina of Time. Merci, les gars. Oula!
Oula, ça me dit quelque chose, c'est NES. C'est NES, ouais. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Kirby? Non. Ah là, je vois pas du tout. Le pixel art me dit trop quelque chose. Attends, je prends ça un indice. Ça dit quelque chose, hein. Le perso, il dit quelque chose. Oula! L'indice, c'est A, c'est le jeu du pendu. Il y a un A, après, il y a plein de trous. Il y a un I et plein de trous. Alors là... Et ça pareil. Me dit, je sais que je connais. À moi, le pixel art me dit trop quelque chose. En tout cas, le jeu est nul, parce que pour notre culture, il devrait donner la réponse, quand on sait pas. Ah oui. Parce que là, on est comme des cons. On n'aura pas la réponse, quoi. Bon. Okay. Bon, c'est pas grave. Attends, est-ce que j'ai peut-être encore un autre type? Parce que j'ai plein de liens de quiz. Name that screenshot. Allez, on fait juste encore cette news-là. Allez, vas-y. Je vous laisse chercher. Wow. On l'avait déjà eu dans un quiz précédent, une semaine précédente. Et je l'avais trouvé. Est-ce que c'est un jeu musical? Alors non, c'est pas un jeu musical. Mais c'est un de ces jeux, tu sais, qu'on appelle artsy, artistique. Oui, oui. Et ça commence par un A, le nom du jeu. Ah, alors là... Je connais, en plus, je connais, c'est sûr. En tout cas, le précédent NES, là, personne ne l'avait, apparemment. Mother, non, c'est pas Mother, je pense pas. Et l'indice, ça donnait le titre, donc c'est A quelque chose et I quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ce soit ? Alors, premier indice, c'est un jeu où vous êtes un plongeur. Subnautica ? Non. Ok. Subnautica, tu ne vois pas ton personnage. C'est un jeu en vue ah, FPS. Ah, c'est vrai. Et ça commence pas par un A en plus. Aussi. Daros. Daros. Personne dans le chat? Ah, John, il me semblait bien parce qu'on l'a testé sur Renegades, donc c'est Abzu. Ah, A-B-Z-U. Okay. Abzu. Et oui. D'accord. Alors attends, je vais rajouter... Attendez, je vais juste rajouter le chat aussi par-dessus cet écran-là, comme ça il sera partout. Voilà. Comme ça, on vous voit participer en temps réel. Ensuite, deuxième screenshot. Alors ça, c'est facile. Life is Strange. Yes. Je pense pas qu'il nous demande lequel c'est. Jeu épisodique. Qui ressemble un peu à Twin Peaks. Oui, c'est vrai qu'il y a quelques petits similitudes. Oula. Alors ça, c'est un autre Walking Simulator. Ça me dit quelque chose. À mon avis, c'est. Comment c'était le nom? Alors, c'est pas Edith Finch, c'est pas What Remains of Edith Finch, mais c'est un nom du même genre avec un nom de perso oui. Dedans. C'est. Fait par The Astronaut, je crois, le nom du studio. Ça me dit quelque chose, ça je l'ai fait, c'est sûr. Tu joues le détective Paul Prospero. Edith Finch, bah si, c'est ça. Non, là, je crois pas. Edith Finch. Edith Finch, non, je crois pas. Non, attends. C'est pas Alan Wake par contre. Ethan Carter. Ah, The okay. Vanishing of Ethan Carter. D'accord. Je savais que c'était un jeu avec un nom dedans. Alors, ensuite, ah, celui-là il est facile aussi. Pour tous ceux qui l'ont joué s'en souviennent, je pense. Ah, Paper Please. Yes. C'est vrai qu'il était cool. Et le jeu suivant du monsieur, d'ailleurs, qui a fait ce jeu-là, il est exceptionnel aussi. Comment il s'appelle? Avec le bateau, tu sais, c'est une enquête sur un bateau avec une DA super bizarre. C'est pas du noir et blanc, mais t'as une seule couleur comme ça. Il s'appelle... Ah, je sais plus comment il s'appelle. Mais il faut le faire, vraiment. Attends. Si je tape Paper Please, tu vas voir le nom du mec. Lucas Pop. Et Lucas Pop a fait. Return of the Obra Dinn. Excellent, excellent jeu. Je l'avais vu, les vidéos du jeu, ça avait l'air très cool. À la DA, elle est.
Voilà, et il explique en plus dans un talk GDC comment il a fait le jeu. Super intéressant. Un jeu d'enquête où vous remontez le temps, vous résolvez des puzzles, des mystères pour savoir pourquoi il y a tout l'équipage en fait d'un bateau qui est mort. Bah, du coup, je pense que je le ferai. C'est vrai, j'avais vu les vidéos, mais je l'avais pas fait. Ça vaut le coup, et il est pas cher en plus. Ouais. Donc, Non, puis j'aime bien ce jeu-là. Alors, Mystery Screenshot numéro 5. Ça me dit quelque chose avec la main. Je crois que c'est un jeu où tu peux faire, tu sais, des speedruns en volant comme ça, avec un genre de grappin laser. Mais j'ai plus du tout le nom du jeu. Oui, c'est ça, avec un grappin. En plus, je l'ai sur Steam. Mais je vois, oui, t'as plein de parcours à faire et tout, mais... John avait trouvé Paper Please et Obradine, effectivement. Il trouve tout, il est... Mais c'est son job, attends. Mais oui, c'est vrai. Il est bon, il est bon. Ah, Story. Story of My Uncle. C'est ça. Story of My Uncle. Titre complètement Quantum. Débile, mais l'histoire de mon oncle. Voilà. John, il met Quantum. Alors non, mais c'est un peu dans le même genre. Parce que Quantum utilise aussi, je crois, un gant. Ouh, celui-là, il me dit quelque chose. La DA me dit super quelque chose. C'est un... Le petit perso avec le... C'est un run and gun. Où tu as juste un bouton, je crois. Je l'avais fait en VR. Ok. Ah, ça devait être... J'ai vomi. Ok. Bon, j'allais dire, ça devait être cool. Ok. Ah ouais, tu m'étonnes. Ouais, je sais pas. C'est il y a run dedans. Parce que c'est un run and gun ou dans le nom il y a run dedans. Et gun, je crois. Attends. Run gun. Run and gun. Ah, run gun jump. C'est ça, run gun jump gun. Run gun jump gun. Voilà. Fou. J'y arrive. Ah oui, c'est compliqué, hein. Putain. Regardez le site officiel, il est magnifique, avec du pixel art. C'est génial. Qui vous donne une petite érection dans la culotte. Ah, il est... Ah, ça, un comic en pixel art animé. Ça, j'adore, tu vois. Ça, c'est génial. Et le jeu est génial. Et il se joue avec un bouton, donc. Mais ça, je connaissais, là. Mais alors, le nom. Et il doit pas coûter grand chose, hein, de mémoire. Alors, le suivant. Oh, ça me dit quelque chose. C'est genre Terraria, non? Ah bah non. Dans les indices, il y a écrit un cross entre No Man's Sky et Terraria. Ouais. Tu sais, c'est ces jeux où tu peux creuser dans le décor, faire plein de crafting. Mais j'ai Terraria, en fait. Bah moi, j'aurais dit ça aussi, mais je regarde les persos, ça me dit rien, quoi. Alors, est-ce que quelqu'un là? On vous laisse le temps. Oh, et Dieu sait qu'ils l'ont mis sur la première page de Steam. Le nombre de fois ils l'ont mis en avant sur Steam, c'est hallucinant. Je vois le logo. Je vois le logo. Il y a un genre de... Comme un soleil, comme ça, avec un fond bleu. Et ils utilisent le soleil pour faire une lettre du titre. Ah! Ah, putain, ça me dit quelque chose. T'as le nombre de fois qu'il était sur la première page de Steam. Oui, effectivement. J'ai dû le voir plusieurs fois en promo. Et oui. Ouais, mais alors le nom... Attends, tu sais quoi? On va chercher sur... On va mettre Terraria, like. Alors, Starbound, et c'est le haut de Starbound, le soleil. Mais oui, c'est ça, Starbound. Voilà, test FR, le Terraria-like. Yes. Bon, bah on s'en sort bien pour le moment. Ça va. Ouah, alors là, par contre, ça me dit rien du tout. Oh. Un jeu où tu peux conduire un roller coaster, donc un grand 8, créé sur ta propre musique. Et en plus, tu peux jouer sur la zig de Dragon Force, Through the Fire and Flames. Donc c'est un jeu musical apparemment.
Ouais. Ah, faudrait demander à Jérémy, on a un professionnel de, des jeux musicaux chez Renegades. Ça, ce serait bien qu'il reprenne son format d'ailleurs. Enfin, c'est peut-être prévu, hein, je ne sais pas. J'aime bien les présenter, tu sais, les jeux musicaux japonais que pas grand monde connaît. Ouais, mais ça peut être cool, ça change un petit peu. Bah, c'est une niche de passionnés, les mecs, donc. Ah, ça me dit quelque chose, mais je vois pas du tout. Là, vraiment. Il a raison, John. Remets un peu en grand. Parce que du coup, ouais. Petit. Ah oui, excusez-moi, j'avais pas vu qu'on était sur la mauvaise scène. Désolé. Parce que là, en fait, t'es collé. Ne vous cassez pas la nuque. Voilà. J'ai dit la nuque. Oui, ok. Voilà, je vous mets même le screenshot en full screen. Voilà. Remets en gland. Ah, Stéphane, autant pour moi. Ah, ça me dit rien. Ah là, moi, pas ça du tout. Ça me rappelle plein d'autres jeux musicaux, mais alors le titre de celui-là... Ouais. Il y a un petit air de Beat Saber avec les cubes, là, mais non. Ah oui, mais carrément. Et même le petit truc, c'est avec le petit vaisseau que tu transportes là sur le chemin. Il existe en VR aussi. Ah, je vois pas du tout. Mais non. Alors, est-ce que on peut peut-être avoir... Parce que du coup, où sont les réponses? Bah, c'est ce que j'allais te demander, parce que... Non, parce qu'ils marquent pas, les gars. Attends. Peut-être à la fin. Ouais, ça doit être ça. Bah écoutez, celui-là, on l'a pas. Donc c'est le 8, ok. Allez, le 9e, avant-dernier. Bon, ça, c'est facile. En toute sincérité... Alan Wake, j'attends tellement la suite que... Ah, moi aussi. En fait, j'espère que... parce que là, Remedy est en train de bosser sur Control. Mmh. Et j'espère qu'après Control, ils vont faire un Alan Wake, quoi. Ah, ben, je... Oh, tu sais quoi? Je crois que c'est ça. John, je crois que c'est Audio Surf. Je crois que c'est Audio Surf. Ça me dit quelque chose. L'interface... Ah, c'est ça, Audio Surf. Regarde, cherche pas plus loin, c'est Audio Surf. Ah, oh, bah alors là, bravo, j'aurais jamais trouvé. C'est ça, regarde, avec le vaisseau et les cubes. Ah ouais. Ok. Et vous voyez, avec notre cerveau commun, on est bon, hein, mine de rien. Mais c'est dingue, ça. Ah oui, oui. Allez, le 10e... Oula, à froid, je dirais Civilisation, mais si ça se trouve, c'est pas ça. C'est pas une adaptation de risque. Alors, un jeu indé, on prend le contrôle d'une dynastie médiévale de 1066 à 1453, jeu de stratégie qui se joue donc sur des longues parties et qui vous fera réfléchir à deux fois avec qui vous allez vous marier. Alors là, je vois pas du tout. Si quelqu'un là, le 10... Mais risque, tu vois. Ok. Le loup, il dit comme moi. Risque, bon. Moi, j'aurais dit risque. Eh ça bah, ressemble écoutez, vachement au... On va voir les réponses. What? Europa Universalis. Oh, les enflures. Le comment lien... Comment ça, FIFA? le lien vers les réponses, c'est pas les réponses. C'est un article sur FIFA. Non, mais... Et je suis pas occupé du site, hein, donc pour une fois, l'erreur technique, c'est pas... Oh, les enfoirés. Oh, y a... Ah oui, il est assez fort, quand même. Alors, attends, il y a peut-être une solution. Si je fais... On arrive à trouver... Peut-être qu'ils ont fait que le nom de l'image du JPG, c'est le nom du jeu, tu sais. Ah oui. Alors oui, attends. C'est possible. Ou alors ils t'ont mis question numéro 1, 2, 3. Examiner l'élément. Où est-il? CrusaderKing2.jpg. Ok. Bon bah voilà. C'est Crusader King, les gars. J'aurais pas trouvé, ah, en oui, toute oui. sincérité. Non, non. Celui comme qui aurait pu trouver, je suis sûr, c'est Étienne. Étienne Rakam, qui est un passionné de jeux de stratégie. Donc lui, l'aurait probablement trouvé. Il doit plus être dans le chat. En tout cas, voilà, c'était le petit quiz de la semaine, vite fait bien fait, pour se faire plaisir. Ça fait toujours plaisir, hein. C'est rigolo, ça fait participer les gens. Et ça fait bosser notre culture jeu vidéo, donc c'est pas plus mal. Bon, bah écoutez, on a fini pour ce soir. Je vous remercie une fois de plus d'avoir été présent à l'appel, fidèle au poste. Et puis, on se retrouve du coup vendredi prochain pour le prochain
Play Week Show. Alors, on aura un invité cette fois. Par contre, c'est... Bola ne sera pas là, toi tu seras là. Et on aura probablement... Alors, je sais pas si Nico ou John, voire les deux, seront dispo. Mais du coup, ils m'ont confirmé qu'ils seraient partants pour reprendre le siège donc de Joe qui nous a abandonnés. Et du coup, bah, avec plaisir les gars, pour, c'est cool. Pour la semaine prochaine, il n'y a aucun problème. C'est même bien cool. Yes. Donc rendez-vous vendredi prochain à 21h. On vous fait des gros bisous. Et peut-être un stream derrière, peut-être pas, je ne sais pas. Dans tous les cas, activez les notifications et comme ça, vous aurez peut-être la petite surprise s'il y a un stream nocturne derrière. Je te remercie, allez, Daros, une fois de plus, pour ta présence. Bah écoute, c'est un plaisir, on s'éclate bien ici. Je suis pas aussi pro que vous, mais on passe un bon moment. Ah bah non, mais attends, t'as tes compétences aussi, hein, parce que toi tu sais en ciné, moi je connais pas le quart de ce que tu connais en ciné, donc... Non, c'est toujours un plaisir de venir, donc y a pas de problème. Et est-ce que je peux juste faire la pub pour le prochain Mansi? Mais bien sûr, tu sais quoi, j'allais te le dire, donc... Donc le prochain Mansi Club qui aura lieu donc jeudi prochain à 21h, Bola ne sera pas là. Également, il sera indisponible. Ça sera donc sur Robin Williams. Yeah, excellent acteur. La carrière, exactement. Donc sa carrière, ses films. On va faire une analyse un peu. Donc jeudi prochain, 21h. Oh le loup, oh. C'est pas gentil. Oh non, ça. Alors ça c'est pas sympa. Gentil. En dessin. On sait pourquoi nous, hein, mais c'est pas gentil. Oui. C'est pas gentil. Bon, là par contre, autant tu vois en technique de stream, je me suis amélioré, mais en dessin, je crois que c'est mort. Ça, c'est plus compliqué, hein. C'est pas de la technique, c'est de l'artistique, donc. Ouais, mais là, il y a trop de boulot. Je viens jeudi. Ah bah, avec plaisir, le loup, au contraire. C'est plus on est de fou, plus on rit. Donc voilà, et à terme, dans tous les cas, vous retrouverez probablement le Manche 6 sur Renegades, hein. C'est une question de semaine à partir du moment où on l'intégrera dans la prog. Et ce sera du coup les jeudis soirs, à partir de 21h. Exactement. Voilà. Eh ben merci à tous, des gros bisous, bonne fin de soirée et peut-être à tout à l'heure et à la semaine prochaine. Ciao. Sur Renegades. Ciao, bye bye. Salut.